Jamais, du jamais. Jamais sur Farming Simulator. Oui, voilà. Bon, attends, bouge pas, on n'entend pas Vince, que toi, Lolo. On t'entend pas, Vince. Attends. Ouais. C'est quoi le problème? Et là, on m'entend. Normalement, ouais. Double. Demande Flo. Flo, m'entends-tu? Voilà, là normalement il y a les deux. C'est obligé, là. Impeccable. Réponds, Flo, ou t'es ban. Réponds pas, t'es ban quand même. Banne-le Là maintenant, oui. Ouais, ouais. mais dans ces cas-là, dis-le, Flo, qu'on l'entendait pas. Bah oui, ban Flo un peu là pour le Ah, faire on va lui mettre réfléchir. 3 à 30 minutes, Bon, oui. salut les gens, On va le désolé. bannir. Ça démarre mal à cause Oh d'une mise à là jour. Salut à ceux qui arrivent. Je disais depuis tout à l'heure, on bosse sur une map, enfin j'avance une map pas détaillée qui est vraiment pas top quoi. C'est histoire de quoi. Comme je disais, nous on n'est pas trop détail. C'est du simple, hein, basique. C'est extrêmement. C'est pas assez cadré. là. Et ouais. C'est triste, mes enfants, c'est triste. m'étonnes. On a plein de choses à te montrer, Flo. Ah ouais, tu vas rigoler, Flo. Je crois que Ah, tu là, vas rigoler. l'apothéose. On serait Ah oui, presque. là, tu vas. Les vieux dans Farming, ils sont enterrés avec la croix et Ah voilà quoi, terminé quoi. C'est la croix à la rouillée, et tu dis, ouah la vache, les antiquités, les boules quoi. oh, c'est clair. C'est fou. Tu jamais eu dans Farming, mon Dieu. Moi je te le dis, mon petit. Haha, jaloux. Hop. Sont pas jaloux. Oh. Ah, je... Mais bon. Un jour, hein, peut-être arrivera à faire aussi bien. Ah, ça. Ouais, Oh, attends, Flo, ne dis pas oui. ça, mon petit. Ah, quand tu vas, on va te montrer quelque chose, tu vas dire. Oh, ah, t'as jamais vu ça de toute ta vie. Ah non. C'est marrant. Vous êtes plus sur la bobesse. Bah non, on est sur la Rouen là. La bobesse, elle est en attente. Ah ouais, ça. Moi, j'ai en télécharge et voilà, je vais voir, je vois pas le sol des maps et hop. Ah, ça, mon petit, il voit pas le sol de ces maps. De quoi? Il voit pas le sol de ces maps dans Giant Ah, Editor. le sol de ces maps. Ouais. Bah parce que c'est une map du 17 mise sur le 19 quoi. Salut, DJ Braise. Salut. C'est un breton, lui. Hein? C'est un breton, lui. Ah bah Braise. ça. Le roi de la baguette. Merde. Oh. Ah, je manque de saveur, de goût, d'idée. Ah, À défaut d'être nul. ah. Oui, de Saint-Malo. Ah ouais, oh, c'est quand même une trotte de chez moi, je suis dans le Morbihan. Dans le Morbihan, juste à côté de la petite, enfin du petit village de Nezin. Oui, si c'est perdu, allez. Ouais. Hé, moi je me balade dans ma campagne, mon petit. Ben ça, Des fois, faut hé. Subir, bien, hein. bien la civilisation, oui. Ça. Je le dis. Comme ça, hein.
Oui, je sais d'où il est. Je suis passé pas loin d'un pendant mes vacances. Ah bah oui, c'était, tu vois, sur Josselin, par exemple. Admettons. Ou sur Rennes. Ah, ça va. Je te le dis. Dommage, j'ai pas assez de détails. Ouais, faudrait que tu fasses quelque chose. Plus, hein, faut faire plus encore. Plus, 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 Plus plus. encore. Oui, j'y arriverai jamais. Je suis dépassé. Ça sert à rien. C'est fini. Un flou, je sais pas s'il est sur. C'est T'es loin. pas sur Facebook, Flo. C'est bien que tu te mettes sur, sur Facebook, j'ai pas envie. Ah ouais, c'est triste. Mon Dieu. Bon, après, tu me diras tant que ça marche. Faut prendre ce qu'il y a à prendre. Bon. Bah ouais, dans n'importe quel sens, tant que ça marche. Voilà. Ouais. Comme ça. Ça ne vient de la map, car Samy fait sur toute la map du 19. Bah si tu vois pas de quoi il parle en fait là, c'est qui là? En fait, il n'arrive pas à voir le terrain et... Bah oui, bah parce que c'est... Comment ça, il voit pas le terrain? Bah s'il voit pas le terrain, c'est que y a une couille. La map que tu utilises, ou c'est de la merde, ou c'est une map du 17 mise sur le 19, ou à contrôler, ou ton Giant Editor, Ouais, il c'est peut y pas... avoir plus, il y a plusieurs Ou ça se communautés. trouve, il utilise Giant Editor une mauvaise version, tout simplement.
Il a pas capté que le... il y a un nouveau Giant Editor pour le 19, quoi. C'est pas le même pour le 17, donc c'est sûr, là, il aura pas de terrain. Moi, je vois que ça, parce que tu veux que ce soit quoi d'autre? Ou alors le PC en carton, et puis c'est tout, quoi. Mais ça serait vraiment carton chez carton, avec un peu d'eau dessus. Ça serait un, vraiment, ouais. Pas beau à voir, quoi. Qu'est-ce que tu vas faire après là, alors? Derrière, là? Non, mais là, je dirais, une fois que t'as fini ta petite île. Ma petite île? Ouais, là, ton petit morceau que t'es en train de faire, tu vas attaquer quoi après? Bah, là, je finis le morceau là. Oh, Dieu, il est dans le foin et tout, là, ils mettent les champs et tout, des tuyaux à ramasser et tout. Il y a des ragondins. Des ragondins qui traversent et tout, là. T'as pas des tuyaux. On est au fusil de temps. Des ragondins. Après, on va pouvoir faire un live spécial ragondin. Voilà. Il fait nous faire une petite maison, comme ça on pourra, avec les abonnés, boire une soupe de ragondin. Mon Dieu. Voilà. Chasser. Tu mets des tuyaux dans les champs, tu pourras le faire. Ça. Ah ouais, bah ouais, j'attends Fred, quoi. C'est Fred, hein. Papy. Comme ça. Il faut. Aïe, 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 aïe. Alors, la nouvelle version, c'est la 8.1. Bah oui. Il dit Kevin Richard, là, il dit oui, la nouvelle version 19, c'est 8. Bah, je sais pas ce que je te dise, moi ça marche très bien, le lot pareil. Je sais pas, hein, après. Ouais, est-ce que ton PC il est à jour? Bah oui, voilà. T'as vraiment de questions à poser. Il va dire, bah oui, mon PC c'est une bombe, il est à jour, enfin voilà quoi. Donc, bug impossible, laisse tomber, moi je peux rien pour toi. C'est con à dire, mais ça marche chez moi, voilà, moi je m'en fous, quoi. Ça marche pas, je fais une vidéo, je braille, et si je trouve le bug, bah je le dis aux gens, quoi. Mais bon, jusqu'à présent, j'en ai eu des bugs, hein, des problèmes, mais jusque là, ça marche. Après, j'ai jamais eu de problème avec le sol, quoi. À part si tu te plantes de map, quoi, ça arrive à tout le monde, même à moi, donc voilà. Comme ça. Carton. Mmh. C'est joli. Ouais, c'est de faire un peu une campagne. Ouais. Avec des champs agricoles. Ouais. Alors, qu'est-ce que tu as pensé, Bon, bah, Vince... Ah oui, t'as vu, je peux arrêter le mapping direct. Hein. Carrière pliée, map détaillée, extrême. On n'a jamais vu ça. C'est une tuerie, mon gars. C'est... Pouah. C'est waouh, quoi. T'as vu? J'ai jamais vu ça. Ce week-end, on est direct dessus. T'as intérêt d'acheter le 19, Flo. Sinon, bah tant pis, tu seras banni. Tu joueras plus avec nous. Donc là, c'est le 19 obligatoire. 17, c'est de la merde. Donc là, faut. Voilà. L'ultime est arrivé, enfin, après des années d'attente. C'est génial. Ouais, génial. Bon, si, c'est bien. Au moins, on ne fera plus chier avec rien maintenant, quoi. Ça qui est cool, quoi. D'un côté. Ouais, parce que j'en connais qui coupent leur messagerie. Moi, j'en connais qui coupent leur messagerie. Oh, ouais, moi, je coupe ma messagerie. Je veux plus qu'on m'emmerde. Bon, ouais. De toute façon, généralement, elle sait, après, si c'est des trucs pertinents, ok, mais bon, après, voilà. Bon, ouais, il y a un degré de connerie. Après, des fois, c'est marrant, mais bon, à la fin, voilà, quoi. Je sais, c'est... Ouais. avec un peu de sûreté, mon ami. T'allais dire. Voilà. Mon petit. Ouais, j'ai mes humeurs. Alors, je me suis trompé. Mmh. Je croyais que c'était Minecraft avec des shaders, mais je me suis trompé. Ah, c'est possible. Hein. Oh, mais, sérieux. Oh. C'est fou. Je pense que c'est. Mais... Les boules. Ouais, ça pourrait être les
Ouais, c'est similaire, entre guillemets, je te dirais. Ça fait un petit moment, tu t'es mis à Minecraft? Bah oui. Ouais, ça fait longtemps qu'il joue à Minecraft, hein. Depuis le 2009. Les boules. Impeccable. Tout va bien. Il Y a pas de problème. y a que des solutions. Oh, Mais oui. ouais. En fait, là, ça, c'est le Minecraft Evolution. En fait, là, c'est un Minecraft, si Voilà. tu veux, qui est un peu plus, tu vois, réel, quoi, en fait, quoi. Après, tu vois, on fera une vidéo ce week-end, Minecraft et tout, avec cette carte-là, l'environnement, quoi. Ça, Lolo, il Ah pourra oui, faire bien, ouais. des petits souterrains, là. Là, tu vois, c'est pour ça que je laisse ça. Comme ça, Lolo, il va arriver avec sa pioche. Tu vas faire clac, 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 il va faire un trou, il va arriver là, puis là, ah mon dieu, un ragondin, bah oui, là, c'est pour qu'on puisse casser un peu partout la map, pour ça que, voilà quoi, j'essaie de faire en sorte, hein. Je fais ce que je peux, hein, après je suis pas très 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 bon non plus. On te demande si tu veux, tu fais une map pour PC et PS4 si tu veux. Oui. Ah, tu as ta réponse. Kai. Mais que pour ma PlayStation 4. Ah, Ouais, c'est que pour ma PlayStation 4. Ouais. C'est que pour t'es moi. l'enculé, Ouais, toi. je suis un enculé. T'es C'est sûr. Et l'enculé, je l'ai fait aussi pour Xbox One pour un pote. Voilà. quoi. Uniquement. Mais je sais pas pourquoi, mais j'ai quand même un gros doute. C'est combien là l'échelle qu'il faut mettre? C'est 1-1, je crois. Ah Et non les mais armes, ça va combien? ouais mais ils vont aller... non non mais Giant Ça va pas faire? oui bah oui Giant ils m'aiment bien ils sont reconnaissants en tant que depuis toutes ces braves années fidèles et Ah, prospères d'accord. oui Ah, pour moi c'est d'accord. gratuit hein. J'ai le droit Ah, d'accord. j'ai un accès VIP Ah, ah, d'accord. oui. En plus c'est à contenu titre privé donc pas de problème quoi.
Ah, c'est fini, hein, l'époque où l'admiration était rien que au terrain editing, quoi. À cette époque-là, les gens, ils kiffaient, tu vois. Rien que le terrain editing, quoi. Aujourd'hui, bon, c'est quoi? Oh, c'est chiant. Par contre, ils veulent bien la map. Ah, ça? Ouais, non, pas assez détaillé. Faut accepter la défaite. Hein. Comme ça. Peut-être éventuellement jeu farming. Et encore, je sais pas s'ils rivalisent. Je suis bouffé, car moi, pour la tailler. Je suis max. Tu meurs. Ah, c'est sûr. Raté. C'est... Pas être jaloux, après. Comme ça. Level design. Jalousie, c'est pas beau. Être envieux, c'est très... Être envieux, c'est très très bien. Alors, voilà, quoi. Faut être envieux. C'est pas bien, être envieux c'est... Ah oui hein. J'ai retenu le slogan. C'est pas moi qui l'ai inventé, c'est Jean-Claude. Mais bon, il a raison. Ouais. Triste. Voilà. J'ai vu la dernière fois la... Quoi là? T'as coupé? La dernière fois, je l'ai vu dans une émission là. Oh, oh my god! Ah ouais? Oh là! C'est même plus une claque qu'il a pris, c'est 10 coups de poing dans la gueule. Hein. Ah bah. A... La peau elle perd. Tu as rien. De Dieu, nom de Dieu. Mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu. Hé, hey, ça. Dis-moi, petit. Merde.
manger. Tiens. Ah bah ça. Hey tueur. Merci patient TP. Lire. Alors Lolo, as-tu testé une belle et magnifique map sur FS19? Oh, bourré sûr, de détails. Est-ce que t'en as testé oui. une? Ah, trop bien. Oui. Ouais. A-t-il une belle bien carrière sûr. Sur cette map? Bien sûr. Oh, c'est magnifique. Je vais prendre ta retraite tout de suite. Aurait-on une ville détaillée avec un sens du détail, un savoir, une culture? Ah oui, oui, oui. Tout oui, est oui. magnifique. Oh, mon Dieu. Mon Dieu. Je vais mal dormir ce soir. Ah oui, oui. De Dieu, nom de Dieu. Ah, si je vais travailler comme ça, mon vieux. Très riche. Faut essayer. Oh bah. J'arrive pas aussi. Ça va. J'arriverai pas. J'arriverai pas, c'est pas possible. Faire du détail comme ça, je peux pas. Trop poussé pour moi. Ouais, je cherche aussi à faire une maison dans la map, mais j'arrive pas à me décider sur un plan de vue. Tiens, je vais peut-être en faire une là, vite fait là. J'aurais bien voulu la faire là, mais vu que là je dois tout péter ici, là il y a encore du boulot. Un endroit où t'as une vue bien. Je sais pas où. Putain. Ouais, une maison détaillée, tu sais, une vraie maison quoi. Ah, tu peux... ah ouais, mais c'est. Ouais, ici ça peut être pas mal hein, en explosant un peu. Ouais. Attends, on va regarder là, on va enlever tous ouais, ces trucs là et tout, je te dis. C'est la... ça. Attends. C'est aujourd'hui. Ouais, ça peut être pas mal. Ouais, mais de toute façon, je vais le virer ce chantier là parce que je te le dis. Hein. Lui, il est vieux. Merde. Oh, il y a du jet. Oh, la grue, je pense que je vais la virer. Elle est lourde en police. Bah non, mais bon, vu qu'on en a une maintenant, je sais pas si elle marche en multi, l'autre là. Celle que tu ah, m'as passée. Si, ah, si. Bah voilà, donc c'est pour ça, ça sert à rien de ouais. mettre un objet 3D. Un objet 3D. Ça. Quand elle m'a gris, on se calme. Bah oui, on a jeu farine. C'est pas assez popularisé, hein. Faudrait que tu fasses un peu marcher les très très gros youtubeurs farming là. Oui, oui, faut monter un peu ton audience parce que quand même. Faudrait qu'ils puissent promouvoir le contenu promotionnel qu'offre cette magnifique page farming. Là, mon pauvre ami, t'aurais des millions, mon Dieu. Ah là, mon Dieu.
l'accès au paradis. Bah oui. Carte bleue. Ah par contre la ligne là ça me casse les couilles ça, c'est pas beau. Oh, faut que je fasse une... C'est moche, pourquoi c'est ça passe dans le jardin en fait là? Hein? Normalement ici c'est un terrain. Il y avait... Bah c'est le jardin, mais je sais pas pourquoi il y avait un poteau électrique au milieu quoi. Ça existe? Ouais je pense. Bon oui, il doit bien y Ici. avoir. Hein. Enfin, ça doit être... Ouais. Comme ça. Attends, bon, ils font pas mal de lignes enterrées, hein. Hop. Bah ouais, après, pour... Par contre, je sais pas quoi... Ah mais quel matériau je peux la faire à la maison? Tu peux refaire le même système que tu avais fait sur la roue, partant d'une... Enfin, pas Oh je d'une sais même plus comment je l'ai faite hein, ouais. lol. C'est un... C'est un... Si, moi, je te dis. Je Après, sais c'est même un plus peu hein, depuis le temps faire que de... j'ai pas fait de maison. Ah ouais? Tu sais faire des maisons, toi? Non. De quoi Non, c'est? non. Ah non, non, c'est... Enfin, ouais, vite fait, mais c'est nul, quoi. Enfin, y a tellement mieux. Ah oui. Après, je vais essayer, c'est tout, quoi. Ah, tu vas essayer aussi. Te moque pas de moi, en Oh, moi, direct. j'oserais pas. Je connais. Quand même. Bon. Faut être Je vais pas faire de respectueux. maison. Je vais pas faire de maison meublée, rien. Pas dit. Non, je sais pas quoi, concrètement... C'est le départ. Il faut... Tu veux faire une maison à 15 sous-sol? Tu veux faire quoi? Là, il y aurait moyen, vu le, admettons le terrain, si on garde le niveau là, ouais, tu peux faire une maison, tu sais, puis faire un terrassement qui descend avec un jardin contrebas avec une pente et un alignement, quoi. Voilà, quoi. Merde. Hop. Une maison, je sais pas trop, et après... Bah là en plus il y a moyen de faire un truc de taré avec la piécette là. Ouais. Bah, c'est le départ et votre Après je départ. peux faire une maison assez haute, comme ça tu peux détailler un étage, moi je détaille un autre étage. Hein. C'est dommage, moi j'aurais bien une idée, mais le problème c'est qu'il faudrait un modeur. Moi j'avais pensé à faire des maisons cubes. Ça, ce serait clé, ce serait Non, clé. non, dans la Rouen, là, sur les nouvelles grandes parties, là, vu que je la grandis encore plus en ville, là, je pensais faire un immeuble, moi. Mais bon, là, ça va être, bah, le construire, ça va être, pas trop dur, je pense. Par contre, le détailler à l'extrême, voilà, par contre, ça va être raide, ouais. Un immeuble, Enfin, ça va être de déjà long, faire quoi. une pièce. Oh non, en immeuble, moi, la structure, c'est facile, quoi. C'est carré, tu fais avec un peu Ah ouais. de sens d'architecture, tu fais un truc propre, quoi. Avec du volume, du détail, de la symétrie parfaite, et une échelle respective, c'est bon. Tu fais une structure propre, quoi. Ouais, une maison conteneur, ça fait une boîte au cul. Oh, mais maison Ah. Conner, ça fait un peu... Voilà, quoi, non? Ouais, mais essayez de la faire, quoi. Je veux dire, le plaisir Oh, de c'est construire, c'est facile, hein. toujours. Bah, le facile, les conteneurs, tout ça, mais après, faut trouver un modeur. Hein. Bah non, Pas mais tout trouver. Les conners, tu les fabriques toi-même avec une plaque en forme, avec une texturation Ouais, conner, et ouais. puis bah voilà Oui, quoi. oui, oui. Tu Mais fais non, en mais moi, sorte je voulais que. partir d'un vrai conteneur. Pas une Bah texture. non, parce que là il faudrait que Fred découpe. Ah oui, c'est ça. Voilà J'avais quoi. pensé tu prends les bungalows, tu prends le même système et Pff, on va élargir ouais, ça mais. comme ça.
Mais bon, après, il n'y a pas le temps. Ça me paraît bien. Faire une maison première et tout à ma soeur. C'est un truc qui me botterait bien, c'est ce que j'aurais bien voulu acheter, moi. Ouais, ça peut être pas mal, mais bon, après, dans le jeu. Ouais, mais moi, je m'en fous du jeu, moi. Ouais, bah oui, réellement, ouais, Réellement, moi, je m'en fous, moi, c'est le but du truc, après. mais. Ouais, mais bon, moi, je te parle de reproduction virtuelle, quoi. Ouais, bah, moi aussi. Ouais, mais Mais après, dans le jeu, mais pas c'est. dans n'importe quelle map. Parce que je vais te dire, le construire, moi, personnellement, je veux dire, dans le jeu, quoi. Ah bah oui, dans le jeu, mais bon, après, dans le jeu, ça reste. Faire Après. plaisir là-dessus. Parce que je vois dans Fallout, tu peux faire des maisons conteneurs. T'as tout Ouais, je sais, dans Fallout, mais le. pareil, Moi, j'ai déjà essayé, après, t'as moyen de faire des trucs pas mal, mais ça reste. Ça reste assez. Bon, après, c'est Fallout aussi, mais ça reste assez serré, tu sais, c'est un truc, voilà, quoi, c'est limite oppressant, moi, j'aime pas, quoi, il me faut de l'espace, un truc, vraiment, voilà, quoi. ouais, mais moi, comme j'aurais bien voulu en avoir une un jour, là, moi-même, ça va très bien. Bah après il y a moyen, moi je peux en faire une, mais avec une texturation type conteneur pour faire vraiment une structure qui peut vraiment être intéressante. Parce qu'après si tu prends des conteneurs, des vrais conteneurs, faut vraiment. Et puis même c'est chaud parce que les maisons conteneurs, je sais pas, ils sont pas découpés non, intérieur. Bah, et après faut aussi il faut que tu Bah ouais. non il faut non mais il faut faut Aïe. découper une paroi d'un côté puis après tu les soudes puis après tu crées tes parois toi-même à l'intérieur parce que j'ai voulu c'était avoir un peu le système du bungalow avec les plafonds tout ça puis après moi je viens par au-dessus avec de la pièce sec quoi genre pour faire les plafonds la lumière et tout le bordel quoi. Mais après c'est faire le même système que FT avait fait pour les bungalows Ouais, chantiers bah oui, les ballons de chantier, ouais. ça me ferait bander quoi un truc comme ça sort une quinzaine de bungalows, je te fais un truc de... Ah ouais, il y a moyen de faire un. Une maison garage, je sais pas, non? Et le garage, tu Oh, vois, il. hein? Moi, je verrais une maison, tu vois, simple, un truc, tu vois, pas trop chiant à faire, assez basique, tu vois, comme la Rouen, mais différente, quoi. Parce que celle Bah, de Rouen, l'intérieur de celle de Rouen, tiens, on va l'ouvrir, parce qu'il y a des gens qui savent pas ce que c'est. Enfin, c'est une map très peu détaillée, mais vraiment la map la moins détaillée de la communauté française.
C'est presque une honte, mais bon, il y a quand même une maison dedans qui est pas trop mal, on va quand même l'ouvrir. Accrochez-vous, mesdames et messieurs. C'est du jamais vu, effectivement. Mais c'est comme ça. Voilà. Vous voyez sur la page jeu farming si on souhaite voir un petit peu de détails, mais sans plus. Oh, je sens qu'il y a des jaloux dans le public. Il y en a qui s'en vont, t'as vu, ils sont jaloux. Ils disent merde. Mon dieu. Mais comme ils s'en foutent, attendu dernièrement, nous on en a rien à foutre de baiser lâche. On veut, c'est la roue. Hein. On a rien à branler, c'est gueule. Mais non. C'était. Pas vrai. Pas bon? Est-ce qu'on était dans un transform, ça là qu'on puisse voir son cœur? Évidemment non. A l'époque j'ai pas dû le faire, si. Si. C'est parti qui ensemble. Oh. Un bloc. Oh, y a l... Ah ouais, c'est bien, il y a que l'architecture là. Ouais, c'est ce que je savais, t'avais pris une. Un muret. Ça donne quoi du coup? Ouais, mais pour faire. Oh, y'a de la maille. Hein. Ah ouais, après j'avais tout. Oh, le bordel, mon pauvre ami. Je sais pas si je serais capable. Hein? Oh, quand même, ça va, lol quoi. C'est bien fourni quand même. Hein. Ah oui, mais tu dis le bordel. Bah ouais, non, j'ai dit c'est fourni. Attends, j'avais. Je sais même plus. Ah non, j'avais pas mis de. Ouais, oh, ça va encore. Ah ouais, on est en décalé, c'est pour ça. Ah, ça fait bizarre. Ils ont ouvert. Ouais, mais c'est vrai que mine de rien, quand tu construis manuellement, c'est quand même hardcore. Celle-là, elle est pas au diamètre parfait non plus. Hein. Ça, c'est une maison en fait à l'arrache. Mais bon, c'était pour le fun, quoi. T'en avais fini aussi à Hugo, tout ça. Tout ouais, ça. Un appartement à Hugo. Ouais, t'as, et une première version de cette maison-là, mais c'était encore, c'était pas la même. Elle était pourrie. Quand tu la faisais déjà à l'époque, j'ai oublié. Ouais, bah ouais, je l'avais fait en live. Ah ouais, celle-là, j'avais mis une sorte de lambris, oh là là, lol. Ouais, du coup, ça me blase un peu, je sais pas comment je vais faire la nouvelle, du coup, alors. En brique, non? Ah, faut trouver la brique, c'est ça? Ah ouais, mais non, ça fait chier, bah ouais, mais après, ça va faire une maison en chantier, la flemme, quoi, je voulais une maison habillée, quoi. Parce qu'après, si on... T'as la maison à Seb, mais le problème, c'est le... Oh non, c'est... Non. Non, moi faut construire manuellement. Là, il y a que 300 000 polis. Hein. T'imagines, ça va encore parce que tu rappelles la maison qu'il y avait dans le Giant, le DLC. Mmh. 1 million de polis. D'art. Et le truc, il était moins détaillé encore. Après, juste des textures qui étaient plus belles. Donc, forcément, ça pèse. Encore, c'est parce que celle-là, les textures sont en... Bon, c'est des textures bas de gamme, donc du coup, c'est... Parce que là, elle aurait été en texture, tu sais, vraiment... Après, le problème, c'est que... C'est vrai que j'y pense, mais... tu vois, là, c'était une texture... bof, quoi, finalement. Tandis que là, tu veux construire une vraie maison, je sais pas, qu'est-ce qu'il faudrait mettre comme matériau pour que ça soit vraiment propre, quoi. Hein? Bah... Bah ouais, mais t'es le spécialiste de la maison et du cadré centré, je sais pas, montre un exemple quand même, en plein live en plus devant tout le monde. Bah non, mais enfin, c'est vrai quoi, tu fais souvent des maisons et puis là, ouais, j'ai pas d'idée, bah attends. Je fais des maisons. Je sais pas, t'as pas une pièce que je puisse faire un bloc comme ça, tu vois, mais... Je sais pas, tu vois, parce que là, regarde, tu vois, y a des mélanges, tu vois, on voit que j'ai dû galérer... Avec la même pièce, tu vois, j'ai dû utiliser la même pièce un peu partout et faire un mixte avec une ceinture de cailloux, quoi. Mais bon, je vais pas refaire le même style, tu vois.
Bah, le problème, c'est que tu peux pas mettre n'importe quoi comme c'est dans la campagne. Bah ouais, faut pas que ça choque, quoi. C'est ça le truc. Allez, c'est ça. Ah oh, putain, c'est merdique, ça. Parce qu'après, j'ai de la brique, mais bon, la flemme, quoi. Enfin, ça va faire une maison qui est pas peinte et tout, qui est crado comme ça, en couleur brique. Enfin, je sais pas, c'est pas beau, quoi. Après, j'ai le placo que... Mais bon, c'est pareil, quoi. Et encore, celle-là, pour l'époque, elle était pas trop mal, mais elle manque cruellement de détails, quand même, quoi. Enfin, sur sa structure, quoi. Elle est faite vraiment au plus basique possible, quoi. Ah, mais pour alléger, tu... Hmm? Elle était pas prévue comme ça, la roue. Hein. Non, et puis cette maison-là, je l'avais fait parce que la première version m'avait énervé. Et du coup, je me suis dit, bah tiens, vas-y, je vais la refaire proprement. Parce que là, l'armada de pièces qu'il y a, c'est encore plus que ce qu'il y a là. Déjà. Donc là, tu peux faire vraiment... On peut faire un truc propre. Ça, c'est la grosse version, ça, c'est pas la plus... Non, ça, c'est la celle qu'on a en multi. Ouais. C'est pas la grosse version. La grosse version, tout ça, ça n'existe plus. C'est l'agrandissement de ville, en fait, quoi. La ville, elle va jusque là, à peu près, quoi, pour l'instant. Et après, elle peut déborder jusque dans le secteur là, et dans le secteur là, si un jour, mais bon, là, ça m'étonnerait. Mais bon. Ah ouais, non. Enfin, ça, c'est... Y a pas de... C'est ridicule. Sans détail et peu vu, quoi, donc... Enfin bon, voilà. Bah, je sais pas qu'est-ce qu'on peut trouver du coup. Merde, ouais, alors. Je suis en train de chercher. Bah non, une maison briquette GG sans couleur, sans texture, j'y pensais, mais bon, après ça va pas être très beau, quoi. Ou à moins de la teindre, quoi. Parce que là en briquette sur l'autre map, j'ai quoi ah, est-ce qu'on peut pas faire un enduit et tout, quoi. Là en béton, tu vois, j'ai ça, quoi. Le truc il fait 132 polis, si tu fais une structure avec cette pièce, tu fais le calcul, à mon avis il faut 10-15 000 parpaings à compter les 132 000 de triangle, à mon avis on arrive à une maison qui fait peut-être entre, je dirais la louche comme ça, rien qu'en architecture complète parpaing, ouais, entre 5 et 700 000 polis. Juste la 3D faite à partir de cette pièce, j'en suis sûr, au moins 500 000 polis sûr. Enfin, quoi que. Ah, je sais pas, ouais. Je sais pas, parce que là, comme ça, on s'en rend pas compte, quoi, donc... Salut, Lord Kratos, c'est ce qui arrive. Bah ouais, mais une maison en pierre, je veux bien, mais j'ai pas de pierre. Y'a que jeu farming qui dispose d'un tel contenu, mais... Espérons que... C'est où ? Dans sa bibliothèque, bah t'as pas... Ouais, regarde, tiens, le partage, je te montre. Regarde, moi, je vais te montrer un style. Man, Dieu. Ou alors, regarde, t'as pas une brique un peu comme ça, regarde. Putain, c'est simple, non, dans non, ta ouais. Bibliothèque de mode incroyable de l'univers. Tu dois bien voir ça, quoi. Le problème, c'est que c'est chaud, quoi. Le problème, c'est que j'ai une brique rouge, mais ça, tu vas pas aimer, ça va pas faire beau dans la map. Bah non, enfin c'est un peu c'est là, un mélange de la Bretagne, hein. Tu peux pas mettre des maisons du Nord. Ouais. Faudrait trouver des parois qui remettre sur de pierre. Bah le plus simple reste les chalets ou les maisons en bois parce que vu que la texture est simple dans le jeu. Ben je trouve, et puis bon en vrai c'est des belles maisons, hein. Maisons en bois, chalets, tout ça, ça pète quoi. Mais bon après c'est ce qui reste plus on va dire facile et que tu peux vraiment ouvrir en avec beaucoup de détails. Les maisons en bois c'est extrême quoi. Ben une longère moi après je suis chaud mais si j'ai pas la brique je suis baisé quoi et je l'ai pas quoi. Voilà quoi. Moi je te ferais plus une longère de l'époque pierre à feu avec les cailloux dont je dispose, c'est tout quoi. Tu vois, moi j'ai pas
Magnifique pierre, comme jeu farming doit sûrement disposer de ce type de contenu recherché, quoi. Bon, allez, t'as bien ça dans ta pochette, là, quelque part, là, caché dans le contenu. Ah, mais c'est où ? C'est ça, le problème. J'ai sûrement peut-être caché quelque là-dedans, mais finalement. Des sous-dossiers, je vais en avoir moins de sens. Ouais, sinon, après, je peux faire une maison en bois, après, tu sais, sans branle, hein. Après, au pire, ouais, ouais, c'est chaud. Ouais. Trouver la pièce de départ, ça plus chaud. Bah, si tu regardes sur l'autre map, la pièce de départ, c'était du bois. Hein. L'autre, c'est une maison à moitié en bois. Hein. Putain, elle est où? Elle est là. À l'intérieur, oui, mais pour ton ta prise de départ... Bah, regarde, le départ, c'était ça. Hein. Attends, ils sont où, les poux de maîtresse, là? Hein? Bah ouais, je sais pas. Ah non, parce que... Oh ouais, d'accord. Attends, je sais même plus comment j'avais foutu tout ça. Première pierre, c'est rage. Hein? Pierre. Mais merde, attends, pourquoi elle est si haut que ça, la maison aussi? Comme un fou, là. Comme un foufou, je mets la maison plus haut. Dans l'autre map, les ragondins, il y en a déjà un. Enfin, c'est tout comme. D'ailleurs, je vais le montrer. Bon, oh, on doit bien avoir des ragondins cachés par là. Moi, là. Tu peux reprendre la structure. Tu prends les deux pièces là, maîtresse. Après, il faut faire le même système. Il faut retrouver le sol de forêt. Bah... C'est vrai, mais faut... La pièce qui va venir. Ah, ça y est, là, on voit mieux, c'est parce que j'étais trop là, comme un blaireau là. Mais regarde la pièce de départ, bah c'est du bois en fait. Ouais, je sais. Ah, voilà, raconte là. Hey, lol. Die. Top. Pareil. Et le pigeon. Ah, parce que si je fais la structure en briques, si après au pire, ce que c'est vrai que ce que je peux tenter de faire, mais bon, là c'est quand même là, mon pauvre ami, au secours, hein, mais bon, c'est de faire, regarde, je sais pas ce que t'en penses, faire une maison avec ça, avec ce simple petit. Attends, tu vas le voir, calme-toi doucement, je sais que t'es excité, mais. Lol quoi. Attends, voilà. En espérant qu'elle est bien. Hop. Oh les boules. Elle est même pas. Pff. Quoi cette merde, attends. Elle est même pas équilibrée la brique là. Ouais, d'accord, lol. Le translate là, c'est de la merde, faut le refaire. Enfin bon, regarde avec la brique là, quoi. Bah, c'est faisable, mais alors, par contre, le poids de la. Bah oui, c'est ça le problème. Tu vas leur dire sérieusement la map, c'est leur meublé en plus. Bonne nuit, mon ami. Parce que si tu fais une maison comme ça meublée, il faut faire attention que ça passe sur le serveur. Faire réfléchir. Bah c'est pour ça que je te dis une maison en bois, pour moi ça serait le faire une structure bois, ça sera le plus facile. Bah, ouais. Parce que là non, sur en parpaing ce serait sympa hein. Là sur Rouen tu vois la maison là elle lag pas parce qu'elle est très optimisée quoi. Enfin pour l'époque elle reste quand même optimisée. Tu vois là regarde une brique, ça fait 134 triangles et 176 vertices. Et là ouais la brique 134 et la structure de l'eau de maison a fait 12 de triangle et 24 de vertice. Donc tu dis que même la pièce si étirée c'est pas très beau. Après tu t'en branles, on peut toujours mettre. Tu vas faire l'extérieur aussi. Hein? Tu vas la faire tout marron? Bah non. Reskiner, non. Bah la pièce après tu peux la reskiner en neutre en fait. Tu sais, tu prends une couleur
limite béton teinté, tu sais, une couleur unie en fait, quoi. Donc ça sera pas très beau, mais après, tu sais, tu peux toujours mettre une autre plaque en surcouche avec une texture pour faire un effet d'enduit, quoi. Ça, on peut aller chercher une texture sur. Bah, par exemple, tu vois, tu prends la pièce là pour la structure. Tu vois, celle-là, regarde, elle est de couleur à moitié métal, béton. Ouais, même béton, tu vois. Regarde. Tu vois, tu prends cette pièce là, avec cette pièce là, tu fais. Tu fais un truc, quoi. Ouais, vas-y. Bah, de toute façon, après, il n'y a pas trop le choix, parce que si tu fais une maison et que tu veux jouer sur serveur, t'es obligé de taper dans un truc optimisé dès le départ, quoi. Parce que si, en plus, faut la détailler à l'intérieur, là, si l'architecture fait 300 000 polis, salut, quoi. Là, c'est mort, quoi. Enfin, sur serveur, c'est pas la peine, quoi. Là, tu tapes 1 million de polis en tout, les boules, quoi. Là, ça va faire mal à Giant, il va pas aimer, quoi. Enfin, au jeu, quoi, il va tirer la gueule, quoi. Ouais, c'est pour ça, je pense, partir sur cette pièce-là de base. Puis après, tu t'en fous, l'armada de la maison, l'architecture principale. Après, les murs, s'ils sont pas beaux, bah, tu sais, tu mets une plaque dessus avec une texturation type béton enduit, un enduit, par exemple. Et puis voilà, terminé, quoi. Ouais, c'est ça. Et la pièce, je vais la foutre dans un transform tout seul avec une texture reconnaissable pour la modifier au niveau couleur, quoi. Donc c'est ça qui est top, quoi. Et tu vas partir sur une dalle de béton? Non, mais t'inquiète, quand même, Agri, hein, demain c'est pareil, hein, je bosse, hein, je vais pas faire nuit blanche, je vais me coucher, je sais pas quelle heure, hein, il est déjà 22h25, 23h max, je suis parti, moi, hein, je vais pas rester me craquer, je prépare le terrain, je continuerai demain, si ça intéresse les gens, bien sûr, hein, parce que bon, c'est pas évident que ça intéresse, hein, mais bon, après, moi je m'en fous, je la ferai même dans mon coin, hein, entre nous, voilà, c'est juste pour nous, pour le serveur, pour jouer en multi dessus, donc, pour faire un semblant d'RP, hein, pourquoi pas, parce que bon... On n'est pas les spécialistes du RP, mais bon, on peut quand même être dans le décor rêvé pour le RP, quoi. Enfin, voilà, quoi. Rien que voir le plan, parce que tu sais, créer la maison, c'est une chose, mais imaginer le plan que tu veux faire, c'est encore un autre délire. Parce que c'est facile à dire, oh, ouais, je fais une maison, mais faut encore savoir sur quoi tu pars et qu'elle soit... cadré, centré, c'est pas évident. Donc maison avec garage, je pense. Non ? Ah, Lolo, il a aucune idée, aucune saveur, rien. Bah ouais. Bah, c'est pas que j'ai pas d'idée, mais faut voir déjà c'est le départ qui va tout donner. Un garage, je vais te dire oui, bien sûr, mais moi ce qui me fait peur, c'est le poids, quoi. Mais non, mais oui, mais bien sûr que non. Là, si je pars sur cette pièce. Et que je duplique cette pièce, allez, on va dire, en exagérant 20 000 fois. Enfin, en exagérant, bien sûr, la map, elle va pas prendre un pet de plus. Hein. Elle va prendre quoi quasi rien. Là, si je fais une structure basique, c'est-à-dire une maison nue, à poil. Pardon, oula. Ça, c'est le sirop, mon Dieu. Le sirop de Bretagne. ça... ouais, du coup, si tu prends une structure de base à nu, c'est-à-dire là comme je vais faire, après tu vas voir le truc, au pire, va faire quoi. Je te dis, attends, on va regarder, hein, la structure de Rouen, mais pour voir à peu près comme ça donne. Putain, j'arrête pas de. Le soir en plus, comme ça. Mon Dieu, la maison a fait, rien que l'architecture, 377 000. Ou non, 37 735, mais attends, c'est quoi ce délire? Ah ouais, mais ça prend pas la partie du bas, en fait. Oh lolo, il a tout modifié, là, t'as tout décadré, ma structure. Qu'est-ce que c'est? Attends, alors, je comprends lui, pas. Il est puissant, lui. Mais non, mais j'ai cru voir... J'ai tout décalé. Lol, quoi. Attends, ça me fait peur, ça. Pas comme ça, lui. Oh, la gueule.
Ah non, en fait, j'avais juste mis l'architecture dans un transform et le reste, c'était démerde-toi, quoi. Oh. Bah, je sais pas, ouais, je comprends pas. Oh là là, oh le bordel. Oh, mais par contre, la prochaine, là, faut la structurer, hein. Faut pas faire un truc comme ça, crassou, là, tout dégueulasse. C'est, faut vraiment faire un transform intérieur, extérieur, garage. Et après, bah, tu t'en branles, tu mets comme tu veux dedans, on s'en fout. Mais c'est pour enlever étage par étage, tu vois, s'il y a lieu de supprimer. Tu vois, dans celle-là, j'avais juste mis l'architecture complète dans un transform. Et le reste, bah, j'avais laissé dans la... Ouais, ouais, dans le bordel, quoi. CFS17, ouais, bah, de toute façon, tu sais, quand on est sur Giant Editor, ça peut être tous les farming que tu veux. Hein. Donc, après, là, c'est pour FS17, oui, mais le 19, le 21, tout ce que tu veux, c'est pareil, quoi. La même chose. Juste des textures et 2-3 trucs qui changent. Putain, ouais, je sais pas. Ouais, bon, voilà, quoi. Importe déjà tes deux pièces pour plus faire un départ pour pouvoir submerger un peu, quoi. Moi, ouais, bah ouais, mais attends... Comme ça, là, on cherche un peu dans le vide. Si t'as pas l'idée de départ, c'est le départ qui va tout dire. C'est vrai que ça, quoi. Bah si, à peu près une idée, tu vois, attends, ça pourrait faire une maison, tu vois, un peu dans ce style-là, quoi. Attends, en décalé. Ouais. Un truc moderne et spacieux, grand, tu vois, avec un salon. Moi aussi, moi, l'idée, t'inquiète, c'est infini, hein, ça va venir d'un coup sec. Après, si, tu peux me dire à peu près ce que vous voyez aussi, comme ça, je peux créer à la demande, quoi. Mais bon. Après, faut voir, hein, si tu fais une entrée. Tu sais, vu que c'est en multi et que après, faut retravailler les collisions pour pas que ça foire dans tous les sens. Du coup, faut la faire en no-call, quoi, complète, quoi. Faut essayer, ouais. Ouais, en gris comme ça peut être sympa, quoi, faut voir. Bah hein. Oui, tu vois, tu chopes une texture simple comme ça, tu vois, ça fait discret, simple. Tu fais un truc pas trop gros, tu vois, tu mets 4 chambres dedans, chiottes en bas, chiottes en haut, grand salon, au pire, tu sais, tu fais un garage et puis tu fais comme une extension avec une piscine derrière, tu vois. La maison là, elle est facile à reproduire, hein, mais le problème, c'est la toiture. Non, il y a... Ouais, on remarque, c'est vrai qu'après... Les coupes, on les a. Ouais, mais si, on a des coupes comme ça. Si, moi j'ai des. Ouais, mais attends. Si, il me semble que j'ai des morceaux comme ça. Mais j'ai jamais utilisé. Mais si, tu dois les avoir aussi. Alors, t'as tellement de pièces là, mon pauvre, tu sais même plus ce que t'as, quoi. Mais si, il nous avait passé ça, l'autre. Des pièces comme ça, des triangles et tout. Je sais plus où j'avais. Sur quoi? C'était pas sur une maison, je crois, déjà de base. Oh, je sais plus. Enfin bon, bref, quoi. Non, après, tu pars sur un toit classique comme celui-là à côté, quoi. Tu vois, une maison comme ça, en fait, moi, je pensais faire, quoi. Ouais, bah, ouais, en gris comme ça, c'est simple à faire. Hein. Tiens, tu fais un cube, tu fais deux cubes de chaque côté, mais après, ça me... Tu me poses des problèmes. Bon, après, l'intérieur, j'ai l'idée. Ouais, c'est vrai que c'est pas con. Bah, après, c'est... Ouais. Le plus simplifié, souvent, reste les maisons cubiques, c'est-à-dire carrées, quoi. Si tu pars pas carré. Dans une architecture extrême, et en maison carrée, tu peux faire des monstres de maisons de malade, quoi. Un truc, c'est moderne et qui pète, quoi. Si, ça peut être pas mal aussi, ça, une maison moderne. C'est une maison, tu sais, assez cubique, quoi. C'est assez carré. Je sais pas s'il y en a là-dedans, là, des maisons comme ça. Enfin, je pense pas, quoi. Et souvent, tu sais, t'en as un peu mais partout, hein. Même moi, j'en ai pas les maisons cubiques. Hmm? Les maisons cubiques, j'en ai pas. Non, mais maisons cubiques, tu vois, ce serait comme là, par exemple, la rallonge sur cette maison, tu vois. Là, ça reste un peu cubique, tu vois, un toit légèrement incliné. Un truc basique. Qui paye pas de mine, tu vois. Et... Que t'avais fait la. Soir. Hein? Le même style que la maison meublée, voilà, cubique, ça. Bah ouais. Ça, c'est pas... Et tu peux faire même avec le placo qu'on a et tout, tu peux faire une partie en chantier, une partie neuf.
Un grenier aménagé. Plus on a même la tapisserie, sauf que la tapisserie elle est pas libre. Ouais, mais après, tu sais, c'est les tapisseries, c'est hardcore parce que tu sais, après, faut jouer tout le temps avec les mesures, tu vois. Donc, ou tu laisses un volume avec un faux plancher et tu fais une doublure pour pouvoir camoufler, mais c'est chaud. Hein. Déjà là, c'était limite. Bah, plus la maison elle est. Pour moi, je trouve plus la maison elle est cubique, plus c'est. Plus la... t'as plus de simplicité à la faire. Ah bah, et t'as oui. Plus d'idées au niveau volume que quand tu fais une maison traditionnelle. Bah le bas ça se passe nickel. Par contre la jonction où t'arrives au niveau partie haute, là par contre tu rigoles hein. Parce que là faut faire une division et tout, faut tu sais mettre un côté, un autre côté, les chambres, les salles de bain. Puis là c'est assez serré, tu vois, ça fait des pièces qui sont pas je sais pas, ça doit faire 10-15 mètres carrés là-dedans donc. C'est pour ça que quand tu fais une maison cubique, tu peux faire vraiment le gros truc, quoi. Mais après, dans une map campagnarde, ça fait un peu choquant, quoi. Mais bon, on s'en fout, hein, des voisins. Toi, c'est Vince, qui est à côté. Hein. Oui. Bah, le problème, c'est que là, je sais pas, parce que si je la construis là, elle va être voyante, tu vois. Hein. Mais après, tu vois, dans la maison, on aurait une vue comme ça, en enlevant le poteau, en le mettant là, en rallongeant, en modifiant, en dégager ça, parce que c'est... Ce EDF là, ils ont branlé, je sais pas quoi là. Après, moi je m'en fous de l'emplacement, hein, mais où je fais là ou je fais pas là. Ouais. Je pense là, ça peut être pas mal. Je fais une petite maison de départ. Ah oui, t'as la vue et tout, tu sais, t'as le terrain, tu peux exploiter. Là, tu peux faire une piscine, tu fais une connerie, tu sais, t'as moyen de faire un jardin aménagé. Là, ça fait un. Une maison, tu vois, avec propre quoi. Parce que là, je vais tout niquer, là, tout ce qu'il y a là. Et là, je vais mettre des maisons encore. Tant que tu baisses pas la forêt. Bah, je pense qu'à mon avis, là, cette partie-là, moi, j'hésite à la niquer, là. Enfin, cette partie-là, l'enlever. Et cette partie-là, la sauter aussi. Parce que je vais refaire une ferme plus, plus ferme, tu vois, que là, c'est un peu l'arrache, quoi. C'est à l'époque, quoi. Juste parce que là c'est important, c'est quand même l'entrée, tu vois. Donc l'entrée, faut que ça soit. Enfin, essayer, tu vois, de faire un truc. Donc, ouais, remarque, la maison elle peut être bien parce qu'elle sera cachée par des futures maisons dans un secteur complet, quoi. Bon, vas-y, je fume et c'est parti, quoi. Enfin, juste lisser un peu le terrain, je vais pas trop commencer ce soir parce que là il y en a pour. 10h30. Oh non, 5 minutes, hein. 5 minutes, c'est créé, c'est fait, c'est plié. Je suis pas un pro, moi. Ah ouais. Je fais pas beaucoup dans. Bon, de toute façon, les maisons cubiques, c'est. Même avec une maison cubique, mon pauvre ami, je te fais tomber par terre quand tu veux. Avec le contenu qu'on possède, on peut faire un gratte-ciel de 1000 étages entièrement rempli, détaillé, fourni, garanti, qui t'exposerait les yeux tellement le Giant, il suivrait même plus le jeu, quoi. Enfin, il y aurait une couille, je pense. Il y a moyen, hein. C'est pas faux. Bah, tu sais, si on fait un immeuble, mon pauvre, t'as vu tout ce qu'on pourrait faire. Supermarché. Là, tu pourrais faire un building avec ses supermarchés, salle de sport, piscine, jacuzzi, tout ce que tu veux. Tu sais, tu montes dans un immeuble de luxe. Faudrait essayer, quand même, je pense. Ça pourrait être marrant. Calme, tu fais un immeuble de. Un immeuble de 6 quoi. Bah, j'ai un ascenseur en plus. Parce que. Oui. Bah oui. J'ai un ascenseur. Après, faut juste peut-être le rebricoler, tu vois. Parce que je sais pas si. Je me rappelle plus s'il va haut, je crois pas. Et il monte un ou deux étages. Il y avait un Griff Trello qui avait fait un système d'ascenseur. Ah ouais, un jaune là. Ouais, bah oui, tu prends un truc comme ça, tu vois. Tu prends ça et puis tu le refais. Tu fais une cage d'ascenseur. Ça peut être pas mal, tu sais, comme ça, boum, tu fais plusieurs étages. Moi, je pense, tu fais un immeuble de 6 étages, voilà, quoi. Je dis pas, faut faire tout ça sur la map, hein. Non, sur la Bobesse, non, je fais pas ça, quoi. Non, par contre, ce que je pensais faire sur Bobesse, mais là, ça serait extrêmement chaud. D'ailleurs, je voulais le faire là-bas, mais parce que on a les pièces pour le faire aussi. Ça serait un complexe souterrain, mais tu sais, une véritable maison, quoi. Une vraie maison, si tu veux, souterraine, quoi. Et camouflée à la perfection, quoi. Mais vraiment,
ultra camouflage quoi. Je dirais même toi, t'auras pas l'œil, hein, tu la verras pas. Mais bon, à moins que je vous la montre en direct, ça serait pas du jeu quoi. Mais ça, je me serais bien tâté à faire un truc, c'est de taré quoi. C'est sous le terrain, c'est tu fais un... En plus, c'est facile à faire, c'est tu fais un gros trou bien mesuré, d'une profondeur, je sais pas, importante, c'est tu prends, je sais pas, on va dire, allez, 30 mètres dans... Ah bah non, là, je serais baisé en plus dans le jeu, je peux même pas. Ce côté-là, j'ai le droit à même pas 5-6 mètres de profondeur. Non, ça peut être pas mal aussi, t'as pas mal d'idées sur des trucs sympas, quoi. Une double ville. Tu fais une double ville. Une double ville. Tu fais une ville en dessous, puis une ville au-dessus. J'avais déjà essayé à l'époque où j'en faisais beaucoup des souterrains. Parce que tu peux exploiter un peu le dessous de la map. Mais le problème, c'est que c'est compliqué, quoi. Parce que le problème, c'est... Il y a moyen, hein. Franchement, il y a moyen. Mais tout ce qui sera sous la map sera que de la 3D, par contre, quoi. Donc, sol en 3D, mais... Et ville en 3D quoi. Mais moi je voulais faire ça où t'arrivais en bout de map avec un système de tunnel qui passait sous la map. Et tu pouvais atterrir sous la map et tu pouvais... T'avais une continuité mais... Mais bon, ouais, c'est un enfer, après laisse tomber, tu t'en sors plus quoi. Problème, les souterrains dans Farming, quand tu veux les camoufler à la perfection pour qu'un joueur ne puisse pas l'avoir ou le voir, c'est la 3D hein. De toute façon, faut pas se leurrer, il n'y a que de la 3D qui te permettra de faire un camouflage ultime. Mais les pièces qu'on a, les textures gazon et tout, sur les plaques, là, avec ça, déjà, hein, tu vois rien. J'ai même des textures plaques de champs. Tu sais, regarde, par exemple, ce que tu vois là, au loin, là, on dirait des champs, et quand t'arrives, tu vois, c'est une 3D texture. Bah, ça, je l'ai en morceaux. Ouais. Ouais, j'ai des morceaux comme ça. Donc, j'avais chopé sur une map anglaise, des petits morceaux comme ça. Plus petit, tu vois, bah c'est un peu genre des plaques comme ça. Ça se trouve, je me suis... Attends, on va savoir, ça se trouve, c'est peut-être même une plaque comme ça que j'avais réduit et remodifié le translate. Je sais plus, enfin bref. Mais je sais que j'ai des plaques comme ça que tu peux modifier. Tu peux te faire un faux sol, quoi. Bah là, c'est déjà le cas, hein. C'est un faux sol, ça. Ouais, bah je sais, c'est l'entourage. Alors, en plus, tu as vu, regarde, il a une belle épaisseur, donc tu vois, c'est... Ouais, si, c'est ça, en fait, c'est la pièce que j'ai. Ouais, je te l'enverrai, tu verras. C'est une espèce de sol camouflage, quoi. Et j'en ai plusieurs comme ça, donc ce qui peut te permettre de faire... Tu vois, comme la carrière, là, la carrière, on pourrait la camoufler parfaitement et repoquer une forêt par-dessus. Et au loin, tu verrais pas, quoi, tu saurais pas, quoi. Tu verrais juste une forêt, point barre, et l'entrée là-bas, et puis là, tu t'amuses à faire un truc de fou. Ouais. Mais un complexe souterrain, par contre, il faut qu'il y ait de la lumière partout, quoi. Là, t'es obligé de faire un truc, tu vois, un gros... La lumière, ça tire. Ouais, beaucoup, ouais. C'est vrai que ça tire beaucoup, ouais. Ouais, mais après, tu sais, tu fais un truc neutre, simple, lent, quoi. C'est pas obligé de faire un spectacle de couleurs, on s'en branle, quoi. Le but, c'est de faire un espace souterrain, une sorte de complexe maison, un truc assez gros. Avec tout ce qu'il y a que bah tu pourrais rêver d'avoir dans un souterrain et terminer, quoi. Ouais, le souterrain, je referai de toute façon après quoi. Les souterrains. Bon, les souterrains. Le souterrain que t'avais fait là, sur la mini d'eau, c'est pas mal aussi. Bah là, sur la Rouen, attends, je sais plus, il est où, attends, ouais, sur la version là, il est supprimé. Là, il y avait un souterrain dans le temps, mais bon, il a été bouché quoi. Attends, c'est pas la version là. Non, je l'ai pas supprimé ce souterrain là. En plus, il a pas mal de possibilités et tout. Le problème, c'est que c'est sous une ville, donc. Sous une file. C'est compliqué quoi. Oh, t'as jamais fait de souterrain, t'es pas bon, Lo. Ouais, moi j'ai fait de souterrain. Hein? J'ai jamais fait de souterrain. Ouais, pourquoi tu fais pas de souterrain? Bon, c'est pas le truc que tu. Mais si, c'est bien. C'est la ville souterrain. Ou puis-je trouver l'objet que ce soit dans la mine. Mais mec, y a pas d'objet, tu te démerdes, tu prends des pièces 3D comme on fait, tu regardes mes lives et tu vas voir comment ça se fabrique un souterrain. Y a pas de 3D pour te simplifier la vie, tu veux faire un souterrain, tu le fabriques toi-même avec des pièces que tu trouves. C'est bidon d'utiliser une 3D, c'est ridicule. C'est de la merde. Autant le faire soi-même. En le faisant toi-même, tu pourras faire ce que tu veux. Tu seras à nos limites. Nos limites.
Tu veux faire un mur qui s'écroule, tu le fabriques, ta 3D, tu l'auras dans le cul. Sinon, il faudra que tu saches tâter de la 3D pour pouvoir remodifier, toucher un endroit. Donc, mieux vaut avoir les pièces à disponibilité. Tu fais ton souterrain en forme de mine. Moi, je te fais des mines quand tu veux et tu tombes par terre direct. Grâce à Jeu Farming, qui te fera qui t'offrira le petit wagon pour te balader dedans avec les monstres et tout. Ouh ouais, impeccable. On peut te faire un truc de fou. Tu te rappelles enfin, je change de sujet, hein, le loup-garou. Tu te rappelles de celle-là? C'était dans quoi? Merde, le jeu de pelle, là. Hein? Tu jouais avec le loup-garou. Loup-garou? Resident Evil? Oui. Non. Le jeu avec la pelle, merde, non, en commun, là. Donc, c'est qu'il peut creuser dans le sol. Ah, Gold Rush, mais c'est vrai. T'as un vrai loup-garou. Pas des conneries. Ouais, de celle-là. Bah, c'est même pas tu te rappelles de celle-là, c'est la vérité, Lolo. Il y a un vrai loup-garou, ouais, un véritable loup-garou qui tue les gens et qui met game over à ta partie. Voilà, Rémi qui a l'œil. Regarde, là, il y a un souterrain, mec. Rémi doit pas savoir, tu vois. Il connaît pas. On va laisser Rémi réfléchir un peu. Complètement décalé. Mets ton doigt, Rémi, que je vois sur l'écran. Regarde, Rémi, il est en train de te montrer avec son doigt où est le souterrain. Où est-ce que tu peux me dire où Rémi pointe le bout de son doigt là. Hein, Lolo? Ouais, tu vois ou tu vois pas? Ah, moi je vois. Non, tu le vois pas, toi. C'est pas vrai. Rémi, il a mis son doigt et tu m'as pas dit. Et ouais. C'est pas bien, Rémi. Fais pas ça ici parce que. Fallait pas dire à Lolo. Maintenant, Lolo, il a repéré, il sait où il est. Non, non, bah, ouais, bien sûr, ouais. Ouais, t'as juste à descendre en dessous de la map et. Ouais, faut être malin, mais faut chercher un peu. Ouais, mais je sais où c'est qu'il est le souterrain parce que je l'ai. Ah là, Non. Ouais, là. Celui-là, pas. Ah non. Ah ouais, là. Ah non. Bah, celui-là, je l'ai supprimé parce qu'il tirait un peu sur la map, quoi. Il est un peu poussé et... Bah non, celui-là, sur la version qu'on a, je l'ai dégagé. J'avais pas le choix. Après, je pourrais le laisser sur la version qu'on a, mais le problème, c'est que pour exploiter un chantier dedans, après, faut remettre l'autre version. Celui-là, pour le faire un test dedans, à la limite, quoi. Je le remodifierais bien pour faire un truc dedans sympa, et puis voilà, quoi. Mais non, c'est pas une connerie, Kamagri. Tout le monde s'est fait tuer avec un loup-garou sur Gold Rush. Arrête, Kamagri, je suis sûr que t'as peur là et tout là. Tu dois te cacher sous ta couette. Mon dieu, un loup-garou, c'est pas possible. Il déconne, j'espère. Eh ben non, je déconne pas, Kamagri. Là, crois-moi que. Enferme-toi dans le noir et tu vas voir Resident Evil à côté, voilà. C'est ridicule. Ridicule. Le loup-garou et de Gold Rush. Quand la nuit, elle c'est extrême. Tu regarderas, si je me trompe pas, à côté de la tente, un petit peu au-dessus, t'entends le loup. Et en plus de ça, tu vois deux yeux rouges. Tu vois. Dire que c'est pas des canons. Après, travail de. Ah bah, personne n'a jamais montré parce que les gens ils jouent pas de nuit, j'en sais rien. Nous, on est heureux. D'ailleurs, on est mort. Il veut pas nous croire. Eh ben, on a eu soif. On a eu le souterrain. Par contre, tu vois, dans le 19, ce qui doit être bien, avec les souterrains, c'est grâce à la luminosité du jeu, tu dois pouvoir faire des... C'est ça qu'il faudra que je teste, c'est pour ça que je veux faire une forêt. Dans le 19, quand même, exploiter un peu le truc, parce que les effets de lumière sont plus importants que dans le 17. Du coup, si tu fais un souterrain, tu vois, dans le 17, le problème, c'est que là, pour obtenir un max d'ombrage, tu vois, il va falloir leurrer à donf, quoi. Du coup, tu vas augmenter... les 3D pour pouvoir faire une espèce d'effet de coffre, tu vois, qui fait noir en jouant avec les textures. Alors que dans le 19, t'as pas besoin, tu mets la nuit, t'as vu comment c'est noir, donc imagine dans le souterrain. Là, le souterrain, de nuit, il serait top, quoi. Là, tous les détails ressortent, il fait noir, tu sais, c'est limite oppressant et tout, c'est top, quoi. Il y a moyen de faire un truc bien, quoi. Dans le 17, c'est pas trop mal, sauf que, bah là, encore, avec les mods, tout, la nuit, tu peux avoir des nuits bien noires, donc... Tu peux le foutre vachement. Craqué. Ouais, à l'époque, celui-là, ouais. Je l'avais fait en direct, en plus. Ouais, je sais. Ouais, il est immense, celui-là, quand même. Mais normalement, il y avait une sortie qui ressortait par là-bas, mais bon, je l'ai bouché parce que oh, c'était quand même trop gros, quoi.
Ouais, tu vois, j'avais une grosse cascade de flotte et tout avec de l'eau, mais j'ai enlevé parce que ça tirait trop sur la map. Tiens trop. Mais je vais en faire un dans la bobée, je pense, un... mais différent, je pense, parce que j'ai des d'autres types de pierres, donc... Et sur le 19, faut que j'en fasse un dans une forêt aussi pour voir. J'en ai pas encore vraiment fait des concrets, donc... de paille aussi hein. Tiens, je pensais à ça. Ah ouais. Ouais, maison de paille. En plus, on a vu qu'on en a refait une. Ah ouais, une maison de paille, ouais. Ah ouais, ce serait pas con ça. Après, faut voir si le, bah, le paille il est pas trop long, mais tu en avais déjà fait une. Ouais. Attends, 2 secondes, j'ai chopé mon chargeur, mon dieu. Amuser le genre de quoi? Ah ça. Faut demander à Vincent, hein, il va te le donner. Oh non, catastrophe. Tiens. J'ai oublié mon chargeur au taf. Oh mon. Oh T'as pas mal vite. Ah non, attends, attends, bah, non, ça va, il me reste un peu de batterie, bah, je le coupe direct parce que putain, pas de réveil. Mon dieu. T'as fait de ta femme. Bah ouais, mais bon, j'aime bien avoir mon téléphone perso. Ouais, je l'ai coupé. Ah si, le code, tu te demandes la baiser d'âge. BZH? C'est qui? Oh, c'est un gars qui fait très peu de déco, c'est les mains. Ah ouais, pas top quoi. Ouais, c'est ouais. une carrière de merde là. Ça c'est sûr. J'ai Ah, entendu parler aussi. Lol. il est bien. Ah mais attends, c'est... merde. Attends, ma souris. Que ça va être hein, qu'est-ce que je fais là du coup pour le terrain parce que
Ah, déjà, lisse-le un petit coup quand même, parce qu'apparemment. Ouais, c'est. Il est triste. Non, c'est pas la question, c'est qu'en fait, tu veux, c'est la route, elle est en pente. La route, ouais, elle est en pente. Bah, dans ce cas-là, remonte le terrain. Remonte-le au minimum, quoi, que ça soit bien droit. Enfin, ouais, mais faut faire une plateforme quand même, quoi. Tu sais, un terrassement, quoi. Attends, on va essayer de lisser déjà, hein, parce que. De donner un truc de volume, quoi. Il y a quand même une craque. Hmm, tu veux pas que j'ouvre la braillette non plus, quand même? Non, ça va aller. Tranquille. Le lait. Oh, regarde ce qui marque. Lol. Ah non, je vois plus, j'ai plus les com. De toute façon, je te l'ai dit quand même. Tant que je n'ai pas eu ma chinoise. De toute façon, tu n'auras pas de code. Ah. Donc, voilà. Une offre tu de auras code. Une chinoise. Et si elle me plaît, tu auras le code. Pas de chinoise, pas de code. Ah, en plus, hein, c'est. C'est pas trop comme de ça. mon. Ça Ouais, peut mais être. il va y avoir un problème quand même. Imagine-toi, tu te déguises en chinoise. On va dire, mettons, il y aura un moment, et ça va coincer quand même quelque part. Ah, ça... Mon Dieu! Parce que là, tu vas vraiment avoir un très gros problème. Attention. Hein. Parce que là. Allez, allez. Chut, 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 parce que là, mon Dieu. Ouais, non, je sais. Attention. Ah, on va m'en dire. Ouais, hey. Toi, réfléchis-y bien. Alors, écoute, hein, toi qui as proposé, après, faut que t'assumes. Hein. Ouais, oh. Ça, mon petit. Ah, du fil électrique. C'est cool, j'en cherchais. Et j'en trouve un. Oh, il est où? Il est là. Il est en plein milieu. Ouais, mais j'en cherchais un la dernière fois. Un fil. Attends, c'est quoi ce fil? C'est de la merde. Ah non. Oh, il est bien. Oh, c'est cool, j'en cherchais un. En plus, je t'ai pris en importé un alors que j'en avais un sous la main. Je vais le mettre là, bien en évidence. Pour être sûr de le retrouver. Mais près de la maison, en haut. Non, 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 parce qu'il me le faut pour la campagne, pour passer le courant. Parce qu'il y en a, ils vivent dans le noir. Avec que des bougies. Je te le dis. Petit. J'ai voulu faire un truc sur la Daltix tout à l'heure, j'ai craqué là. Ah ouais? Et à l'époque, j'avais fait faire à Bosmer des packs de tuiles. Tu sais, c'est des packs de tuiles complets. Ouais. C'est élément par élément. J'avais fait étage, rive gauche, rive droite, châtière, Velux. J'ai tout. J'ai commencé à attaquer parce que j'avais taxé une maison à Seb. À toute charpente. Oh, quand j'ai commencé à le faire, mon petit gars, j'ai même pas réussi à allumer la map. Ah ouais. Oh, ah, c'est vrai que c'est beau. Hein. Ah, du coup, mais j'enlève tout. Parce... Ouais, tu nous as pas fait une face. Franchement, c'est beau. Hein. Tu nous as pas fait jouir de ce projet là. Non, c'était un coup de crise comme ça. Ah bah ouais. Ouais. On est là. Hein. Lien. Ah, ça. Plein de petits essais. Faut le faire ça sur une map vierge. Ah bah ouais, parce que après si tu es ouais, trop grosse. La map. Une grosse structure. Voilà. On arrive à quelle hauteur là? Ouais, c'est pas bon. C'est trop haut. Là c'est bien. Non, c'est bien.
Voilà, une maison, tu vois, où on puisse quand même glogloter à 3, quoi, dedans, quoi. Donc, pour que ce soit quand Bah, même un t'as truc. Hein? chambre et tout. Ben, Bah oui. Faut que ce soit quand même assez costaud, quoi. Bah ouais, mais bon, une maison de paille, c'est bien beau, mais après, tu fais pas d'habillage, alors, parce que là, c'est une maison de paille finie, ah oui. quoi. Bah ouais. Petit. Bon, Je bah te le voilà. dis. Le terrain, il est à peu près bien lissé. Après, on peaufinera plus tard, on s'en branle. Hop, l'essentiel, c'est de mettre le terrain à jour. Hop, on va Voilà, sauvegarder, ça va quitter et être bien beau. relancer. Bon, ouais, là, ça te fait une basse Voilà. structure. Solide. Ça, c'est pareil demain. Après, j'hésite quand même à redescendre un peu le terrain. Attends, je vais regarder, parce que attends, je vais déjà relancer. Parce que le volume, on se rend pas compte, mais après, ça peut en prendre vite, donc. C'est pour que ça reste discret quand même dans le paysage, faut pas que ça ressorte trop comme un champignon, quoi. Enfin, voilà, quoi. Je t'avais dit. Oh, et le félin qui est rentré dans la pièce. Attention. Alors, il est ton chaton, ça va? Oh bah oui, hein. Un lion quoi. Donc ça veut dire qu'en grossier, on va dire. Hop. Donc voilà en hauteur. Je sais que tes conneries, ça donne envie. Hein. Ça donne envie. Hein. Bah ouais, c'est pas. Oh, mais... Du coup, la hauteur, tu penses c'est bon là? Ouais. Oh, Ah ouais, mais c'est pas un oui à la légère. Hein. Faut que ça soit cadré, centré, que ça. Là, tu dis oui en moi, deux secondes. je trouve que le terrain, pour moi, il serait pas assez haut. Pas assez haut? Ouais, par rapport à la route. Bah, t'es C'est fou! peut-être les Je suis déjà. Hein? non. Bah non! Voilà. Bah non, faut un peu de pente quand même, quoi. Enfin, je sais pas. Après, t'as un jardinet tout devant, tu sais, avec un parterre et tout. Enfin. Ouais. C'est une maison de campagne, hein. Après, enfin, c'est en campagne, mon dieu. C'est. Ah, mais de toute façon, comme il y a la route, elle a un certain degré, déjà, tu chose de si ou quoi. Non, attends. J'ai emporté l'autre pièce. Vite fait. Juste pour voir un volume rapidement quand même, parce que c'est pas le tout, mais. Hop! Ah putain, faut que je la chope. Voilà. Hein? Comme la maison meublée. Comme là quoi? La maison meublée. La maison Oui. meublée. Sur Bobès. Sans partie là. Hein? La maison qu'on a fait à deux en briques, ça a fait placo et tout. Ah oui, ah oui, non, je comprenais pas. L'idée, Non, tu je t'ai dit, parles de. t'es chaud là, c'est bon, vas-y, vas-y, attaque. Ah ouais, non, je comprenais pas Ça ce que me tu plaît là. disais. Tu me parles de quelle map? Je sais plus quoi. Non, c'est pas bon. Ah oui, après, il y a. Donc, texture, tu vois, c'est pour ça, c'est une texture en. Attends, on va regarder, hein. Je te le dis, attends, on va voir. Hop, hop, hop. Je sais pas comment je vais l'appeler du coup. Les textures comme 2019, c'est en 2040. Ça, t'es... Moi, je vais l'appeler structure. Je vais la mettre dans un Ouais. dossier ouais. Structure. Je vais la mettre dans un dossier à part en fait pour la sortir totalement des autres pièces parce que sinon si tu veux admettons modifier la texturation
Comme ça, tout est dans un seul dossier, comme si c'était un MOLS, quoi, en clair, quoi. Tu devrais mettre plutôt un chiffre devant. Une... Mais non, tu vas voir. Ah, mais c'est un DGS qui s'appelle des structures. Mais non, tu vas voir, regarde. T'as pas encore compris, tu vas voir, ton cerveau, il va faire, ah ouais. Regarde, hop, nouveau. Et là, tu oui, fais maison, tout simplement. Hop, terminé, voilà. Ah, oui, oui, oui. Et voilà, texture dans la maison, et puis si voilà. Tu l'isoles, oui, mais oui. Donc voilà. Comme ça, tu dis que toutes les textures concernent uniquement la structure de la maison. Après, les pièces, tu les mets dans le dossier principal de texture. Comme ça, si la maison... Ou même, tu peux tout mettre les pièces carrément aussi dedans. Mais bon. Après, tu peux déjà utiliser une grosse partie... Si tu veux récupérer que la maison... Bah, si tu récupères la maison, elle est en un bloc, quoi. T'as fait avec Rouen. Ouais, voilà, ouais. La déco à part, et puis là, comment tu... Après, tu fais déco intérieur maison, et puis hop... Et dans la map, tu vois, après, là, tu fais un transform séparé, que t'appelles maison. Oh putain, ma télé, elle est morte. Hein. Elle est en PLS, c'est fini. Putain, là, ça va être un malice. On va faire un petit don, passer chez Maître BZH Moline, s'il vous plaît, un petit don de 500 euros. Ouais, mais c'est normal, hein, c'est un plasma que j'ai. Il a 10 ans, donc fatigué. Il aura tenu longtemps, oui. Super qualité. Oh non, si dès qu'elle est morte totale, je rachète la même. Là, je vais banquer un peu plus, quoi. Là, ça va être au moins 1005, quoi. Au moins 1002, quoi. Je foutrai 1002 au moins dedans, quoi, pour avoir à peu près l'équivalent de celle-là. Bon, à mon avis, elle durera jamais aussi longtemps, mais bon. Voilà, celle-là, elle aura quand même duré très longtemps. Pour un écran plasma qui supporte le PC, lol, quoi. Texture. Hop. Hop. Bureau. La map, elle est là. La maison, elle est... La maison, là. Et là. Et c'est le bug. Ah non. Et là, je vais rappeler ça aussi. Structure. Comme ça, au moins, tu vois, tout est... Ah bah ouais, si tu veux faire les choses bien... 450 en colle, je la mets en no colle tout de suite, comme ça au moins je suis sûr de pas me faire avoir, sachant que la maison elle sera en no colle intégrale et texture retravaillée pour le joueur. Et voilà. Oh non, Minou va là-bas. Oh non, ça va. Mais moi je ne fais que des codes promo simplement sur des pièces. Sur une vraie télé, j'ai pas de code promo, c'est les abonnés. C'est pas moi. Vous êtes riche, moi je suis pauvre. Riche? Eux ils sont riches, moi je suis pauvre. Ah, oh là là. On va là-bas, Minou. Oh les chats, oh mon dieu. Prends-moi, prends-moi. Oh, puis c'est un mâle, donc oui, ça saute partout. Là. Lol, quoi. Oh, aïe, aïe, aïe. Oh, bah non, il va dans les fils. Oh, ça, c'est des boules. Mais non, il chope le micro. C'est un fou, lui. Malade, ce chat. Il a accroché dans mon micro. M'entends? Ouais, ouais, je t'entends. Ah, j'ai eu peur que ça bug parce que. Texture. Sale chat. On va mettre un touriste. Voilà. Donc là, on va mesurer grossièrement.
Je remets la pièce à jour. Oh là là, lui. Je te le dis, mon gars. On met à 10. 4. 6. Regardez bien comment il fait. Non mais là j'y vais grossier, c'est surtout pour me rendre compte du volume que je voudrais obtenir avant de taper dans la symétrie, parce que si tu commences à faire la symétrie à peu près équilibrée sans volume, c'est chaud quoi. Donc là t'imagines, c'est la porte quoi, voilà. Donc là si on se base sur une maison qui est pas à l'échelle d'ailleurs en plus, lol quoi, putain. Ouais, maison de merde et tout, qu'est-ce que c'est que ça? Attends. Ouais, trop de boulot. Alors regarde bien, parce que l'échelle là, pour voir si tu penses que... Ah non, elle est pas bonne. Bon, mais après, est-ce que la maison est en elle-même réellement à l'échelle aussi? Normalement, ta porte, elle vient pas frotter contre le sol. Hein, hein? Ah si. Non. Non, mais pas frotter, mais genre t'as un parterre comme ça, t'as une dalle quoi. Oui. Et la porte. On va voir un peu, parce que bon, là comme ça de l'extérieur, oui et non, on peut pas se rendre compte. Attends, attends, bah je vais faire les quatre coins alors. Oui, ça on peut se donner une idée quoi. Pour voir le volume, mais. Ouais, c'est vrai qu'il y a... Je te dis, ça me paraît. Après, c'est une maison 3D, donc les maisons 3D, après, si les mecs, c'est... en plus, c'est une maison juste de figuration, donc elle est pas fonctionnelle dans le principe qu'il n'y a pas d'intérieur. Ouais, ouais, c'est un cube quoi. Donc du coup, un cube, tu sais, il est pas pris en... C'est quoi ce délire là? Ah ouais, je l'ai mis à 30. Le cube, il est pas pris en compte, tu vois. Donc la proportion, c'est juste... Je sais pas si la proportion, elle est vraiment... On peut se fier à sa proportion, quoi. Moi, je dis que... Moyen. Le volume... Ouais. Il me paraît quand même léger. Hein. Elle a grandi, mais la hauteur, ça fait chier parce que c'est la hauteur du bonhomme. Ah, la hauteur, non. Après, je pense la hauteur de la maison, elle est respective. Parce que tu regardes, c'est à peu près pas mal. Les carreaux sont bien. Non, je pense que l'échelle, elle est à peu près bien. Après, c'est juste de volume, quoi. Intérieur, quoi. Donc là, tu vois, si tu prends le bonhomme. Quand moi, tu peux faire. Je sais pas comment tu veux faire.
Tu vois, là, c'est... Ouais, c'est... Là, tu vois, ça donne un petit voix. C'est pas ça, tu peux faire cuisine, tu peux faire salle à manger, mais après, il faut un étage. Bah là, ouais, tu peux faire une... Ben, ouais, tu... ben, ouais, je sais pas, ouais. Moi, j'aime bien l'aération, j'aime pas les pièces, moi. Moi, j'aime pas quand il y a des pièces, j'aime bien... Enfin, encore une pièce, ça me dérange pas, mais j'aime bien, tu vois, que au moins la cuisine dans le salon, ou que, tu sais, ça soit ouvert, quoi, pas un truc avec une séparation, quoi. Après, ça dépend, hein. Y en a qui préfèrent les séparations, d'autres non, mais... Et en séparation, si tu fais un couloir, quoi, après, au plus simple, au fond du couloir, tu peux faire un escalier qui monte sur une structure simple, sans exagérer. Après, tu peux toujours agrandir un peu. Clac, clac, hein, tu fais un escalier qui monte comme ça, qui remonte vers le haut, ouais, donc là, au plus simple... Après, ça fait l'âge, hein. Ça fait cuisine d'un côté, ouais, salon d'un autre côté, chiottes à la limite et entrée de garage latérale ou faciale, je sais pas. Hein ? On peut le faire en dessous. Bah non, j'ai déjà fait dans la Rouen, je vais pas refaire la même chose, quoi. Si, après, je peux faire un contrebas, tu vois, faire un garage souterrain qui ressort par là et qui remonte avec une route par le haut, quoi. C'est que c'est un garage qui apparaît ici avec une grande terrasse, un jardin à peu près équipé. On le ferait pas plutôt, comment je pourrais te dire, en dégagement de la maison. Pourquoi on ferait pas plutôt un garage pas collé à la maison, justement, tu sais, par exemple, tu le mets en plein milieu du terrain. Ah, pas au milieu, mais je veux dire... Ah bah non, parce que la structure ne le permet pas. Je maîtrise la tourelle, donc tu vois pas ma plan de mon métier. Je sais bien. Okay, issu de ici. Non, mais enfin concrètement, après je sais pas. Ouais. Parce que là, ça fait que lui il est. Quoi ce délire? Attends. Bon, allez, on a grandi un peu plus, hein, puis voilà. Bah, après, c'est qu'un jeu, hein, donc faut pas non plus. On n'est pas dans un cabinet d'architecture non plus, donc on s'en branle. Hein. Qu'est-ce qu'on en a à foutre après, pour le peu que ça branche les gens. Ouais, c'est vrai ce qu'il dit, Rémi, tu peux faire aussi une véranda. Enfin, ouais, bah, oui, une véranda, ouais. Pour agrandir le salon, bah, ouais, c'est ce que je. Y a moyen de faire, tu sais, tu fais une véranda dans le secteur là, et puis dessous, t'as le garage, quoi. Ce serait pas mal, bonne idée. Bon. Après, ça sert à de faire un volume immense parce qu'après, il faut le remplir, hein. C'est pas le tout, le construire. Mais bon, faut quand même. Non, mais remplir, ça c'est.
Ah non, non, là ce que je fais, c'est juste vraiment la mesure. La structure. Non, non, c'est pas la structure. Ça, c'est la mesure. Ça, après, tout ce que je mets là, je l'enlève. Là, c'est un truc que je fais pré-réglé, si tu veux, quoi. C'est pas un réglage optimal, quoi. Parce qu'après, tu sais, si tu veux... Eh, j'en ai trop chié, hein. Quand, tu sais, quand tu fais pas la mesure correcte, ben, le problème, c'est que c'est cool, mais... Quand tu vois la maison, là, qu'il y a dans Rouen, elle, je l'ai fait sans calculer, sans rien, sans prendre vraiment correction et dimension. Bah, résultat, quand j'ai fait l'intérieur, je me suis fait chier, mon pauvre ami, t'imagines même pas. Alors que j'aurais fait une belle structure bien cadrée, bien centrée, bien maîtrisée, bien calculée, avec des bonnes proportions, bah, je me serais jamais fait chier, en fait. C'est pour ça que je me suis dit, la prochaine baraque que je fais, ça sera beaucoup plus symétrique que ce que je faisais avant, parce que... Sinon, on laisse tomber, c'est un enfer, après, au secours. Oh non, franchement, autant se faire chier tout de suite et avoir un résultat qui est top que un truc foirefouille, quoi. Pas concrètement, après, chacun sa vision, mais moi, je préfère avoir un truc... Attends, normalement, je dois avoir une porte là-dedans, je te le dis, là, je suis sûr que j'avais une porte et tout qui s'ouvre et tout. Tu me l'as mis où, la porte, Lolo? J'ai perdu Lolo. Et là? Bug? Ah. On a perdu Lolo, quoi. Non? T'entends plus? Non, il sait quelle heure aussi là. 23h20. Encore quelques minutes. De toute façon, je continuerai, je pense, dans le week-end. Enfin, on verra bien si je suis chaud. Ouais, ça va. Je suis dans les clous. Sacré cinéma à faire. Ah, je croyais que t'avais bugué là. Mais non, je t'ai dit, je vais me faire un café. Vite. Ah, tu vas me faire un petit café. Ah, tout le monde a cru dans le chat que tout le monde disait, ah, Lolo il a bugué. Ah, mais non, je t'ai dit, je vais me faire un café. Hein. C'est pas bien ça. Café, café. Je te l'aurais écrit tout de suite. Donc le garage shooter du coup alors. Ouais. Ah, putain les boules. Ça va péter. Ouais mais bon, c'est pas grave, après l'arrière je modifierai pour le volume s'il y a une véranda. Ouais, tu sais, on peut même faire une véranda avec piscine intérieure et tout. Hein. Piscine. La piscine, on l'a déjà. Oui, bah moi j'ai plein d'exemplaires, enfin plein de modèles de piscine. On pourra amplement. Ouais, puis la piscine du DLC. Ah. Putain, c'est quoi ce coup? Putain, toi dégage avant que je t'éclate. Putain. Qu'est-ce qu'il a fait comme connerie encore ce con? Putain, le chat. C'est pas le chihuahua, c'est le chat. Oh bah là.
Oh, lui, quand il va être grand, il fera la loi. Je peux dire, le Chihuahua, il va marcher droit. Gros cocu encore, c'est pas sûr. Ah, ils défoncent pas trop la tronche. Ah, bah non, le Chihuahua est le dessus pour l'instant, mais bon, tu sais, après. Oh, attends, quand il va grandir aussi, ça va peut-être pas être. Ah, bah non, bah oui, bah c'est sûr. Hein. Si c'est un mâle en plus, c'est le truc, voilà, il va grossir à bloc. Ouais, il va le défoncer, tu vois, le Chihuahua. Bah, ouais, c'est. Tu l'as dans toute la pièce et tout. C'est possible. Ça, c'est sûr et certain. Ouais, c'est sûr. Ouais. Chaque contre un chien. Fais pas le poids. Non, faut faire gaffe quand même, parce que tu sais, c'est dangereux. Après, le chat il peut crever les yeux et tout. Faire gaffe. Oh. Hein. C'est rare. Hein. Oh non, vu que c'est un bébé, tu sais. Voilà, il découvre et tout, tu sais, c'est bien quoi. Voilà. S'il serait adulte, ce serait pas possible. Ah bah là, le Chihuahua il a rapport à. Ah oui, il est mort. Il est mort direct. Bah hein. Oui, c'est sûr. T'as quand même me le donner, moi, tu vois. Tu vois, son Chihuahua, ce qui va. Mais encore, ça non, va. Bon. Celui-là de mes beaux-parents, c'est un chihuahua agressif. Hein. La nôtre, elle est cool. Hein. C'est un chihuahua cool. Hein. En plus, c'est un grand chihuahua, c'est pas les petites. C'est vraiment le chihuahua qui est grand sur pattes, quoi. Par contre, ma belle-mère, tu vois, elle a un chihuahua, un vrai chihuahua, donc véritable pocket, quoi. C'est le tout mini chien, là. Alors lui, par contre, il est mauvais, tu vois, il m'aime pas, quoi. Lui, il m'aboie tout le temps dessus, il gueule tout le temps. Il braille à chaque fois pour rien, il entend de mouches voler. Ouais, c'est pas le même délire. Bon, quoique le mien, la nôtre, c'est pareil. Elle entend un bruit suspect. Puis vous voyez qu'un animal ne voit pas pareil, nous voit différemment que nous. Ah bah oui. C'est pareil. Puis nous voyons autre. Merde. C'est vrai, il est calmé la position. En bas, là. Il est calmé la son. Saucisson, ouais, marron. Bah, est-ce que si ils éduquent pas, c'est pas top quoi. Une piscine sous la véranda, ça, une belle véranda en noir. Belle piscine, une couleur neutre. Si, ça peut être original, une maison, tu sais, un peu moderne, choquante, tu sais, qui est bizarre, tu sais. À voir. C'est toi qui avais fait une. Ah, c'était pas toi à l'époque. La maison champignon. Si, 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 c'est bon. Bah oui. Qui tu veux que ce soit. Ouais, mais la 3D. Non, mais non, la 3D champignon, mais non, la maison de la champignon, c'était un assemblage de pièces. Et Steven, à l'époque, m'avait sorti sur SketchUp la maison de Bilbon Sacquet. Et celle-là, je l'avais transformée en espèce de. Comme dans le film, mais bon, un peu moins. Moins beau, donc du coup, ça faisait. Ouais, c'était pas mal pour l'époque, ouais. C'était sympa, ouais. C'est une petite 3D, bon, c'était du SketchUp, mais bon, c'était déjà pas mal, c'était le début du détail. Avec les grosses fleurs et tout, c'est vrai qu'à l'époque, quand on voyait quand même le pire, c'était joli pour l'époque. Ah bah ouais, c'était. T'avais fait un truc avec des cascades, je crois, si je me rappelle bien. Je me rappelle plus. J'avais ta map, je l'avais converti. Ouais, c'est des vieux trucs. Ouais, c'est des vieux bazars. J'avais bricolé un peu dessus. Et je l'ai terminé, hop, terminé. Merde. Converti, les trains fonctionnaient et tout, hop. Bon, bah, allez. Ah oui, il y avait des trains, ouais. Ah, il y avait le train. Je m'amusais, je montais là-haut. L'entreprise qui était en bas, t'avais fait les. Comment on appelle ça? Un espèce de lac en bas avec des. T'aspirais l'eau, t'avais mis des tonneaux de. Ah oui, c'est des une. Des tonneaux marron et blanc, là. Une centrale. Ouais, il y a une espèce de centrale, les toutes premières que tu faisais, quoi. Ouais, si, si, je me rappelle. Le problème, là, il est. J'avais tout refait dessus. Donc voilà. On va dire deux étages, enfin un étage, quoi. Ah, puis ce qui est bien, c'est que quand ta maison elle est bien symétrique, et qu'après tu veux retrouver tes valeurs, par exemple, pour dupliquer, relever. Et être toujours à même niveau, bah ouais, tout est à 90, tu vois, hop,
On se fait pas chier et hop, on remonte tout à niveau tranquillement. Et là, au moins, tu vas beaucoup plus vite dans ta construction, quoi. Comme ça, tu sais à peu près l'échelle que tu veux partout, quoi. Génial ce live, hâte de voir le prochain. Bah, vous verrez en direct la maison, quoi. Je pense qu'il y aura qu'ici que vous verrez ce genre de choses, quoi. Tant que ça dure, profitez-en. Que dans un temps, je pense qu'on verra plus ce genre de truc. Hein. C'est même pas une question de patience. Je pense qu'à mon avis, ça doit être plus du goût, quoi. Faut aimer. Ouais, il faut aimer. Ah bah oui. Ah, les cours, c'est... Ah là, ça fera la hauteur du de. Là, c'est bien. Voilà, ça fait volumineux. Tu vois, tu peux faire des fenêtres tranquillement. Et en bas, c'est pareil. Donc là, tu vois, la hauteur, elle est à peu près pas mal, quoi. Bon, c'est pas symétrique pur, mais ça reste quand même. Bah, ça reste symétrique, je veux dire, approximatif au niveau des largeurs et longueurs, quoi. Là, je suis à peu près à 27 et ici, je suis à. Attends, je suis à combien ici? Ouais, je suis à 0,313. 11,702. Attends. Ouais, je suis à peu près bien. J'ai une belle surface quand même, non? Ah, ça fait pas plaisir à meubler là. Ah bah ouais. Après c'est l'intérieur parce que. Attends. On va refaire le. Après c'est ce qui est chaud aussi. Merde, mais qu'est-ce que c'est que ce cirque? Ah ouais, 22, bah oui, je me dis merde. C'est ma souris qui va trop vite. Faut que je la baisse un peu là aussi. Perso, je kiffe ton taf, des Bah merci, après c'est un exemple aussi pour ceux qui veulent faire du modding, hein, comme je dis. Ça permet à des gens qui sont pas plus expérimentés que ça de voir quelque chose de simple et qui a un rendu bien bien sympa. Avec un peu d'idée. Donc tac. Et là tu vois, t'as même une surface. De quoi faire un grenier. Oh, par contre là j'ai pas calculé correctement, donc du coup je vais me faire bien niquer.
J'ai décidé une chose, maintenant je vais faire comme tu vas aller jouer. Tu vas jouer? Ouais, puis je vais prendre la belle map qu'on a vue là. Ah ouais, bah oui. Ah ouais. La map TP avec la magnifique carrière, une tuerie jamais vue dans farming. Voilà. Tu te rends compte de la chance. Jamais vu. Depuis 2009, j'ai jamais vu dans farming. Ouais. Jamais une map n'a été autant détaillée. Oh aussi, oh. Oh, sois pas jaloux. Comme ça, hein, après, c'est... Voilà. Ah ouais, mais ça... T'es pas reconnu pour ton détail, quoi. Voilà. C'est... ah, c'est les boules, quand même. Ouais. C'est qui ? Ça ferait presque pitié, mais bon. Pour l'argent, qu'est-ce qu'on ferait pas ? Comme ça, hein. Claire. Voilà, et là techniquement, voilà, je tombe pile poil. Donc là maintenant il va falloir foutre celui-là. À peu près. Bien. Ah, c'est trop tôt. Fil de champagne de chaque côté. Oh, tu as reçu un don. Oh, t'as ton truc de don, il remarche toi, tiens. Ah bon? Ouais. Alors. Ah bah j'ai pas de visibilité. 5 euros continue, tu fais du bon taf. Bah merci, comment le nom? Oh, alors là, PT, PG. Bah PG, merci, thank you, merci. Merci à toi. Et des fois ça peut aider en je fais pas de lag. Ça peut aider aussi. Pas assez bon. J'apprends, je suis en étude. Bah oui, t'es pas assez bon, tu rigoles. Pouah, alors ouais. Arrête. Ah ouais, je sais. Grille pas les étapes, hein. J'ai dit, hein. Ah. J'ai déjà dit. Faut apprendre petit à petit, ça viendra, tu verras. Ah oui, mon petit. Ah, ça... Peut-être un jour, ça viendra, hein. Voilà. Ah, ça va avoir la gueule, ça me plaît. Par contre, c'est là que c'est toujours hardcore. Ouais, c'est pour le. Ah ouais. Pour refermer ça après, salut. Ouais. Après, si on peut peut-être prendre la maison à Seb là, et non, il n'y a pas un triangle. Non. Hein? Non. Bah c'est quoi alors qu'il y a? Je sais plus, j'avais regardé justement. Va voir là pour voir, t'es sûr? Bah c'est ce que je sais. Bah... Il me semble que si, hein. Oh putain, je l'ai plus sa maison là, bon sang. Oh, je sais plus si où elle est. Ouais, non, mais je sais plus, j'ai trop de bordel dans mes trucs. Bah, moi je l'ai, je sais où elle est, t'inquiète. Elle est sur le 19 dans les mains. Tu l'as mis sur le 19? Ah oui, j'ai fait il me semble t'as un triangle dedans, je suis quasi sûr moi. Alors regarde si à la limite tu peux me l'envoyer. Je vais regarder. C'est sûr. C'est sûr à 100% ça. Attends. C'est obligé. J'ouvre la main parce que... Sauf que si j'avais fait la maison meublée dedans. Je suis pour rouler. Il y en a une qui est légère et une qui est lourde. Alors, j'y suis. Attendez, je vais fumer vite fait. Ah, je peux pas mettre mon portable. Hein, ah, exact. Ah, bah vas-y, je veux bien, envoie-le si tu peux alors. Sur Discord. Ah, ouais. Tu peux juste le texturer en gris vite fait. Enfin, tu le mets. Ouais, non. Comment tu prends la texture que t'as? Autrement, tu me l'envoies, je suis plus bon. Non mais vas-y, on s'en branle parce que je vais le mettre dans le dossier après. On changera là, c'est juste pour magouiller vite fait avant d'arrêter quoi. Envoie-le comme ça sur Discord, la pièce pure, juste pour voilà essayer de l'intégrer quoi.
En espérant qu'elle épouse la forme. Oh bah là, ça serait terrible, t'es fou avec ce truc-là, là. Oh là là. Pas besoin de s'emmerder parce que là, ça veut dire que sans pièces 3D, j'ai trouvé une magouille à moitié pour rentrer les plaques dans des plaques pour faire. Et encore, j'ai de dupliquer 5-6 fois pour les angles. Laisse tomber, c'est une galère. Alors qu'avec le triangle, hop, tu mets une double plaque. C'est en superposition et hop, terminé quoi. Ta structure est faite quoi. T'as plus que la charpente à faire, le toit. Donc quand je te donne pas la, je te donne que l'i 3D, je te donne pas la texture. Mais non, mais donne tout, la texture, tu mets l'i 3D, la texture. Tu sais, la texture, on s'en fout, c'est une couleur, tu la changes quoi. T'as une texture de toute façon. Ah, elle sait pas importer avec. Hein? Elle ne sait pas importer avec. Attends, bon, je crois que je vais aller voir. Oui, bah si, il me dit qu'il y a une texture. Mais si, débutant, tu voyais, c'est ça un débutant. La blague. Un bon, il aurait déjà extrait ça en 10 Ouais, secondes. Tiens, bédage, mon grand ami, bam, 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 regarde, boum. Même pas eu le temps de finir ta phrase, que de la pièce est déjà, regarde, téléchargeable. ah ouais. Parce que c'est pas dit que la pièce soit étirable. Qu'est-ce qu'il fout lui? Oh, aïe aïe aïe, attends, il est en train de défoncer là. Vas-y, dégage. Là-bas. Matou. Suite. Non, bah si pas, tu balances sur Discord, hein. C'est léger, hein. Ça doit faire quoi? Ah. Rien du tout. C'est une feuille, hein. Mais sur Discord, là, ça doit être direct. Alors, Ah ouais, ça va bien m'arranger s'il passe crème le truc. voilà, ça est trois. Ouais, tu vois, moi j'y ai pensé, mon Dieu. T'as trois Ah, mon textures. petit. T'as mis sur Je Discord? pensais pas que. Ouais, c'est fait. Et pourquoi il y a trois? Bah, il y a la texture, les 3D chefs, les 3D. Logique. Ah? Quoi? Attends. Ah ouais, mais attends, c'est quoi le délire là? T'as mis sa bise, c'est pourquoi y a un shape. Bah, vu une seconde, Non, tu te mais... Attends, calmes. ah non, je croyais que tu. C'est pas un shader. Va Un là-bas. shape. Minou. Oh, c'est pas Oh, possible. alors lui. Ça, t'es un bon. Mais non, mais j'ai mon chat qui me perturbe. Le greffier, il est en train d'essayer de me choper les pieds là. Ah, ça, mon petit. Il y a un shader du coup alors. Il n'y a pas de shader, c'est dit un i3D shape. Hein. Ah, un i3D shape. Mais je suis vieille, moi, là. Mais il est super doux, c'est là. Attends, on va mettre ça dans MDR. Hop. Donc, il n'y a qu'une seule texture. Ouais. Bah oui, hein. Il n'y a qu'une seule Oh, face. c'est en PNG. Oui, bah tu reconvertis. On va l'appeler... Attends. Fou. Face, on va l'appeler. Merde. Ah non, ça c'est une face pignon. C'est un pignon, tu marques pignon. Ah bon? Ouais, bon, on va mettre face pignon. Oui. Enfin, comme ça Parce que tu ça sais. reste une... Pignon, ça s'écrit comment Pignon à gauche. Enfin, pignon. P-I-G-N-O. Pignon. Ouais, je sais pas si c'est moi bien français ou pas bon. Après, ça se rectifie. Je vais mettre en DDS. C'est pas en DDS. C'est pas en DDS. Ah. Tu peux pas tout avoir, tu peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre. C'est pas. Attends 2 secondes, je vais le tosser parce que là il commence à. Attends. Attends, je vais fermer la porte parce que sinon. Le bordel. Bah non, mais là, le problème c'est qu'un chat ça attaque au fil direct quoi. Donc
fournir. Tu veux, je peux te filer les panneaux si tu veux. De façade. Hein? J'ai les panneaux de façade aussi si tu veux. Ah mais attends, tu l'as pris sur le 19? Ah oui. Ah. Oui, non mais tu peux, on s'en fout. Tu peux y aller, j'ai déjà fait. Ah tu bon? Tu vas rétrograder, oui, tu peux rétrograder sur la texture. Merde. Ah, il est en 1024. Mais en 512. Hein? Mais en 512. En 512? Ah, 1024 pour toute la baraque, gros. Il y a encore tous les intérieurs et tout à faire. Lol. Moi, je ouais, mais c'est une feuille, hein, non? Ouais. Ah, mais t'as encore les faces à faire hein, à l'intérieur. Tu vas remettre du placo et tout, donc ça va monter. Donc bah non, tu reprends la même plaque et... Ah oui, dans ces cas-là, si tu refais une multiplication, donc descends plutôt la qualité, non? Ouais, bah oui, ouais. C'est entre 500... Bah oui, 1024 sur toute la baraque plus l'intérieur. Ouais, moi je veux bien. Hein. Ouais, ça... ouais. Bon, après, on peut toujours modifier. Essaye, fais donc ensemble. Peut toujours modifier, hein. C'est modifiable. Tout à fait. Non, il est pas bon. Ah, il y a qu'une face, hein? Il y a qu'une face. J'ai dit. Ouais. Il y a qu'une face. Dans vous, c'est un pignon. Ah ouais. Ah ben. Ah ouais, mais attends. Ah quoi que. Bon, on s'en branle. Bah, c'est juste la forme, quoi. Je crains un peu, mais bon. Après, ça peut toujours... Bon, attends, on va voir. Après, il y a toujours moyen d'adapter. Voilà. Aucune erreur. C'est cadré, c'est centré, pré-importé. Voilà. Hop. Attends, je vais la réimporter, parce que... J'aime pas les 3D là, c'est DDDD là, c'est quoi ce travail? Ouais, je te dis, c'est pas normal. Ouais. Exporter, bureau, on va mettre ça dans CC. Hop, non, voilà. Hop, poubelle. Hop, et on retrouve notre pièce ici. Au propre. Voilà. Couper, on va mettre ça dans... La map, maison, c'est pour ça, tu vois, tu la mets en direct, comme ça c'est plus facile pour le jeu de lire l'OBS. Hop. Oh, bien, ça m'a l'air pas mal. Ça te donnera carrément le peintu de ton pignon, puis voilà. Ah bah oui. Ah, fait chier d'être trop fort, hein. Fait chier. Bah attends, c'est moi qui ai pensé, hein. ouais, je le dis, avec une grande sincérité, je pensais que c'était un pignon complet. Bah non, moi j'avais déjà cramé direct quand j'avais regardé sa maison, là. J'avais tout de suite regardé ça, parce que t'inquiète, j'en ai construit tellement... je me suis tellement pris la tête que je me suis dit... Trouver un pignon comme ça, ça serait vraiment top, quoi. Ouais, attends. Voilà, il est là. Bon. Ah, il est déjà là. Ah, c'est... Là, je le range déjà. Ouais, je l'ai mis dans un transform parce que si on en utilise d'autres... Je peux regarder aussi si tu veux les façades. Ça le crachoir, le quoi? Si tu veux les façades. Ah, les façades. Mais après, tu vas avoir un problème parce qu'en fait, tu pourras pas étirer les façades. Bah non, jusque... Bardage, ça va pas faire beau, j'ai essayé. Jusque là, juste le pignon là, c'est le seul truc qui est, on va dire, mais utile pour l'instant. Après le reste, c'est bon quoi. C'est vraiment le pignon là, cette pièce là centrale, elle est une pièce maîtresse importante quoi. Parce que ça c'est... Ah ouais, oh c'est top.
Oh le luxe. Ah là c'est... Ah ouais nickel tu vois. Je suis bon quand même, hein. J'aurais pu être... tu vois, un très grand architecte. Hein. Avec mon cerveau oh, ultra j'ai développé. Voilà. Et voilà. Ah ouais, tu vois. Là déjà. Hein? Et les murs, tu les fais en béton pur. Alors. Bah non, après, tu peux limite, tu sais, vu que c'est une texture unie, tu peux toujours, tu sais, faire une sorte. C'est en faisant une peinture unie, même avec une 3D déformée, c'est, ça passe à peu près pas trop mal, tu vois. Mais faut pas que la. Faut vraiment qu'elle soit unie, tu vois. Faut pas du tout mettre une texture téléchargée sur Google, genre texture pierre, texture béton. Parce que sinon, là, ça va faire tout de suite la texture étirée, crado, dégueulasse. Par contre, quand tu fais. Tu vois là, la texture que j'ai mis dessus, c'est une texture unie. Donc quand tu l'étires, tu vois, au loin, ça fait pas un effet dégueulasse. Par contre, c'est uni, donc, bah, voilà, quoi, c'est pas très... c'est simpliste, quoi. Mais bon, tu prends la peinture unie, tu la mets un blanc, tu sais, un blanc crème ou un gris un peu neutre, tu sais. Regarde le gris là, tu vois, tu l'éclaircis un peu, tu lui donnes un peu de volume, et hop, tout de suite, t'as un truc qui est propre, quoi. Donc c'est pour ça, il y a moyen de faire un truc... pas trop mal, tu vois, sans trop s'emmerder. Et faut pas oublier que c'est pour du serveur, donc faut pas trop non plus taper dans la structure de malade. Ah, ouais, ouais, ouais. Ça, je te le dis, mon petit. Petit ragondin, ringot. Ça. Moi, je ramasse les tuyaux. Je suis oh fatigué. Mon dieu, eh. Petit, mon dieu. Ça. Moi, je suis du sud. Hein. Il fait trop chaud pour travailler. Ça. Mon dieu. Ah moi. Je te le dis, mon petit. Donc tac, on va essayer de les calibrer. Attends, comme merde là, putain. Ah ouais, ça avance les deux. C'est la galère. C'est cadré, c'est centré. Bon, une fois qu'après, c'est... La map la meilleure de tout farming. J'ai jamais vu sur FS. Ah, tu vas faire des cauchemars cette nuit, eh. Ah, mon petit, je te le dis, à la chasse au ragondin, je te dis pareil. Ça va. Oh, putain. C'est vrai que maintenant, qu'est-ce qu'il faut pas entendre quand même sur le net, quoi. C'est vrai que c'est les boules. Hein. C'est triste quand même. Des sacrées conneries quand même, hein, cette communauté. Mais bon, ça va. Et c'est du haut de gamme. Oh bah, ça. C'est marrant. Marrant, regardez. Enfin, marrant. Moi, j'ai vu que c'est. Hein? Marrant. Certains côtés, l'autre côté. Bah, non, mais bon, c'est marrant dans le sens que tu pourrais faire avaler n'importe quoi aux gens, quoi. Qu'un truc tout pourri, tu pourrais le rendre super bien, en fait, quoi. En leur vendant la cravate, et quoi. Et ça veut dire aussi, concrètement, quand tu regardes bien dans l'ensemble. Quand tu crées des trucs, tu dis putain la vache quoi. Si tu vois ça, tu dis.
Ah merde, elle est pas en vertex color celle-là? Ah, je suis sûr. Oh, niqué! Ah, faut la repasser sous 3D. Oh putain. Allez, le vertex color, regarde, il est activé. Du coup, ça va faire de la merde en fait. Ça veut dire que la nuit, tu sais, elle va être fluo. Ah ouais? Bah oui. T'as pas. Dans le 19, t'as pas mis la nuit, la maison? Non. Test. Ah ouais, bah parce que si tu l'as la maison dans une map, teste la nuit, tu vois, elle va être toute réfléchissante. Ah, c'est sûr, le. Bah oui, ce que je me suis dit, attends, la texture, elle est bizarre. Bon, c'est pas gênant, on s'en fout après, mais. Tu sais, tu la repasses en fichier FBX, je sais plus quoi, là, et tu la mets dans 3DS Max, tu décoches le truc vertex machin, tu re-sauvegardes. Ouais, ou Fred, il peut le faire. Même moi, normalement, je crois que je sais le faire. Faut que je regarde, je ferai ça plus tard, mais. Normalement, c'est simple, parce que je sais plus qui m'avait montré, c'était Hugo ou qui. C'est un truc tout con. Ou Hugo, Marius, qui m'avait montré ça, je crois. Je sais plus. Mais c'est un truc simple. C'est pas compliqué. Parce que sinon, ça fait un effet réfléchissant, c'est pas beau. Bon, après, c'est pas grave, on s'en fout. Du moment qu'on a la pièce, après, c'est toujours modifiable. Faut se dire. Nous grand patron. Faire. Non mais tu vois ça c'est des pièces qui manquent en 3D c'est des trucs tout con à faire en plus et utile. Dans la maison tu l'as aussi. Hein. Ah. Ouais mais c'est une maison complète quoi. Ouais pour avoir le triangle. Hein? Pour avoir le triangle tu l'avais aussi. Tu... Ouais ouais je l'avais aussi mais je l'ai jamais enfin j'y ai pas pensé, il y a Glock j'y ai pensé parce que à cause des triangles. J'en ai deux moi de. De quoi? Deux à meubles et on avait fait une sur le 17. Ah mais c'est pas pareil, après là c'est une maison déjà pré-construite. Ah bah oui mais. C'est pas le même charme. C'est pas du tout pareil. Le but c'est meublé. Ah bah ouais mais bon. T'as vu ce ouais. Que j'ai fait dedans là. L'architecture c'est pas mal aussi hein. Ouais. Ah bah j'ai pas dit. J'ai même pas regardé le poids qu'elle faisait là-bas. Tous les meubles dedans. Parce que j'ai voulu sur le coup je pensais pas que. J'hésite quand même, tu vois un toit carré, mais bon, j'aurais bien voulu un grenier quoi. Mais bon, ouais, quoi que. Bah non, maintenant t'as tout. Ouais, un truc. T'as tous les tuiles, tu les as déjà, tu prends les. Parce que le grenier, après, faut se dire que c'est ton bonhomme sur les côtés, il passe pas. Hein. Traîne pas, faut le mettre en no-call, quoi. Donc là-haut, le grenier, tu peux pas vraiment l'exploiter, quoi. Tu peux l'exploiter aussi pour la déco, faire un truc dedans, mais je veux dire, in-game, tu peux pas y t'amuser dedans. Parce que rappelle-toi dans la Rouen avec la baie vitrée. On peut faire, par exemple, on peut faire un petit bureau gamer, une connerie comme ça. On... Bah oui, mais il faut qu'il soit. Ouais, en longueur, ouais, voilà. Faut pas qu'il déborde sur les côtés, quoi. Ah, faut bah, que. Oui. Autrement, on s'en fout. On fait comme dans... on fait dans les greniers, tu fais des placards.
regarde le bas où c'est qu'il y a le... Il y a... Ouais. Bah dans le grenier aussi ouais, t'as quand même... Ouais t'as une belle marche quoi. Là tu fais un mur quoi en fait quoi. Clac clac tu réduis, tu fais un mur, tu fais une sorte de véranda, tu sais un Velux quoi, et puis voilà quoi. Tu mets 2-3 Velux là-haut. J'ai. J'en ai. Ouais j'en ai aussi. Après si t'en as qui sont bien ouais. J'en ai qu'un du coup. Bah, ouais je sais pas, ouais. Peut-être qu'on a le même, je sais pas. Bosmer. Non. Je sais plus avec qui je l'avais eu, mais le problème c'est que t'as le rideau qui a la moitié dessus, alors... Non. Ah non, c'est pas le même. Ouais, et il est en bois. Et le rideau... Bah moi c'est un vrai Velux en bois, l'ancienne, mais sauf que le rideau bleu là, il est à demi ouvert. Enfin fermé quoi. Donc le problème c'est con quoi. Puis je sais plus. Je crois que c'est un scale shop hein, en plus. Hein. Bah moi aussi. Donc, c'est... Ah ouais. Bon après on s'en va, faut voir. Fou, hein. Ouais mais attention sur serveur pour jouer hein, faut pas trop déconner quoi. Ah oui sur serveur c'est il faut pas grand chose pour que ça délire alors ouais enfin le grenier voilà t'as moyen de faire un truc voilà. Quand même du volume hein. Ouais, je savais que ça faisait quand même pas mal enfin, tu vois. Ça fait même un peu peintu. Hmm? Je trouve que ça fait même un peu peintu, mais... Peintu. Pointu. Tu. Toi qui es peintu. Pointu. Non, peintu, avec de la pente. Ah oui, bah oui. Bah après ça dépend des maisons. Hein. Voilà par contre, non, moi ce que je trouve un peu choquant, c'est la hauteur du toit. Faut peut-être que la rebaisser un peu. Peut-être trop haute. Parce que regarde comparé au mec là, ça doit faire... C'est ce que je te dis, c'est un peu peintu. Ouais, bah oui. Ouais, bah ouais. Trop haut et trop... Ouais, c'est trop... C'est ce que je te disais depuis tout à l'heure, mais bon. Ouais, mais... Ah oui, faut écouter, hein, cher j'en monsieur. J'en ai jamais douté un seul instant. Non, après le plafond, enfin le toit... Ouais, bah oui, si, c'est carrément trop. En imaginant que le mec fait 1m80... Lol, mais quoi. C'est clair, hein. Regarde ça. Bon. On regarde. Ouais mais après le problème c'est que plus tu baisses plus t'es limité en volume aussi hein. Attention hein. Faut pas trop chercher à vouloir faire non plus à l'échelle réelle parce que c'est un... si tu veux rentrer te balader dedans avec ton bonhomme faut toujours prendre en considération la collision de ton personnage principal du jeu qui lui n'acceptera pas et n'a pas le niveau tu vois pour se tordre dans les endroits c'est mort quoi. Sans voir là ta poutre en haut. Je sais pas ce que j'ai fait là. Bah 2 mètres là tu dis attends. Ah non 2 mètres c'est le bonhomme quasi à peu près quoi je dirais quoi. 1m80, 2 mètres le mec tu vois là. 80 non. Donc tu laisses 20 là on dirait 2 mètres. Attends, normalement, c'est... Je sais pas si c'est à l'échelle, le truc de Giant, là. Non, bah non, 9 mètres, n'importe quoi. Y'a pas 9 mètres. Non. Ah, mais après, c'est pas respectif, je suis en scale Y, alors... Longueur ou largeur, je sais plus. Non, faudrait le mettre à peu près à... Ouais, là, je pense, non. C'est déjà pas mal. Hein. Oh, mais c'est dans ces cas, descend ta poutre en haut pour voir par rapport à sa tête. Bon, attends. Mais non, oh putain. Mon dieu, qu'est-ce que j'ai fait comme connerie. Mon dieu. Quoi ce délire? Bah alors. Voilà. Voilà. Ouais, mais là, ça va beaucoup plus limiter le champ de le rayon de circulation du perso. Là, on regarde par exemple. Ah, bah c'est sûr. Ouais, c'est tout qu'à raison. Après, le problème c'est.
Après, ce qu'on peut faire éventuellement, c'est de comment je vais pouvoir te dire, tu peux faire un plafond droit, même que c'est en grenier comme ça peut être intéressant aussi. Hein. Ouais, mais Tu même. laisses deux peintures, puis après le plafond, tu le règles par rapport à ce que toi tu veux. Après, c'est un grenier, donc d'un grenier, tu. Enfin, après, c'est à meubler qu'en dernier cas, on Non, s'en laisse. branle, Non, quoi. non, non, enlève-le, Vince, c'est toi qui as raison. Non, non, laisse le peinture comme ça, moi j'ai une idée. Non, non, c'est toi qui as raison, parce qu'après on va être vachement limité, mais après on peut faire un plafond Bah, moi, je droit m'en ou fous, parce autre. que c'est un grenier, donc c'est pas un endroit que Oh, mais si tu veux le t'exploites. meubler, on est baisé. Ouais, mais si tu veux meubler, t'es baisé. Ah mais non, mais moi je m'en fous, moi je cherche pas à meubler le grenier, moi je veux juste une cuisine, salle de bain, salon, histoire de commencer les vidéos dans la maison, c'est tout. Après le grenier, bon tu peux faire un, je sais pas, après si toi tu veux faire un truc dedans, tu fais un truc dedans. Tu peux le concevoir en conception de faire des pièces dedans. Mais Oh, je vais essayer de faire ça. après si tu veux vraiment tout exploiter du bas jusqu'en haut, t'es obligé quand même de démesurer un petit Ouais, peu je quoi. comprends, ouais. Parce que le problème, si, tu peux quand même rester à l'échelle parfaite, mais si tu restes à l'échelle parfaite, telle, on va dire, l'échelle 1 réelle, là, ben, du coup, je veux dire, après ton bonhomme, les collisions, tu pourras pas passer partout, quoi. C'est ton bonhomme, voilà, quoi, il va pas baisser la tête non plus, quoi. Ouais, je... Ouais, mais comme ça, c'est comme bon te semble, mon chêne Ah, de palerin. toute façon, tu sais, on s'en fout, hein, tu sais, déjà, l'essentiel, c'est de meubler le bas et le haut. Après, le grenier, c'est l'option, tu vois, pour délirer, quoi. Pas obligé de partir sur un truc. Ah, mais t'inquiète, le loup, il va passer derrière. Ah, J'ai après, ouais. moi, tout ce que j'ai, cuisine, salle à manger, salon, chambre. Non, parce que tu vois, aussi, pour changer, j'hésitais plutôt que faire un toit en pic comme ça. Avec une charpente, un toit plat avec piscine sur le toit de la maison, quoi. Ah ouais, tu fais une terrasse en fait sur le toit, en fait, comme les buildings, quoi. Bah ouais, c'est très original. Bah ouais, c'est sur le toit de la maison, tu montes, t'as une Ouais. terrasse, t'as carrément la piscine, t'as tout l'équipement, tu vois. Après, c'est sûr, ça fait chelou, mais après, tu fais un entourage. Avec, tu vois, de la végétation, quoi. C'est pour faire un peu un cache. M'en fous, on est là pour le fun, on fout après. Rien pour délirer. Je m'occupe. Bah, ouais, après. Comme. Mais bon. Après, c'est pour taper dans l'original pour changer, quoi. Ah, pour essayer de faire quelque chose que... C'est pour ça que j'ai commencé sur. De toute façon, après, ça, c'est pas un gros détail méchant parce que la maison, du moment qu'elle est à peu près symétrique, après la structure, tu peux la prévoir plus tard si tu veux faire une modif. Tu vois, en fait, le but, c'est de faire une maison que tu peux partir sur une maison carrée, sans toit, avec un toit plat. Et si un jour tu veux, tu dis, tiens, bah, je vais mettre une charpente pour agrandir ma maison, bah là, t'as les mesures qui te permettent, tu vois, d'ajouter ces pièces pour faire une charpente. Et éventuellement faire un grenier ou ce que tu veux pour complémenter le truc. Mais bon, pour du live, je pense qu'à mon avis, tu sais, c'est une maison, tu passes quoi, 5 minutes dedans pour dire bonjour aux gens, pour la visiter une fois, et après tout le monde s'en branle, quoi, tu vois. Donc, pour se faire plaisir, c'est bien, mais bon, déjà, t'as 2 étages pour te faire plaisir, t'as de quoi t'amuser, hein. Et quand tu remplis tout ça, crois-moi, t'es déjà au bout de ta vie, hein. Ah ouais. Un petit, faut penser au volume, perspective. Profondeur, y a plein de choses à prendre en considération quand tu fais ce genre de choses. Parce que tu vois la map de. Enfin, l'autre maison que t'as dans la Rouen, tu vois, je l'ai faite vraiment sans calculer, hein, à la volée comme ça, bah putain. Et encore, elle a bien été métamorphosée au fur et à mesure du temps parce que j'avais pas tout fait pareil, hein. Mais tu vois, celle-là en plus, je pensais pas qu'en multi, tu vois, elle serait top, quoi. En multi, tu vois, elle est fluide, quoi. Et le problème, tu vois, si tu regardes bien cette maison-là, tu regardes dans le jeu, elle est presque à l'échelle réelle. Presque. Mais si tu te rappelles bien dans le jeu, il y a des moments, tu vois, ça passe à peu près bien partout, mais il y a quand même des endroits, bon, c'est en no-call beaucoup, mais il y a quand même des endroits où, tu vois, c'est limite, quoi. Ça demanderait un peu plus de volume, parce que le bonhomme, il a besoin d'un espace, quoi. C'est pour ça qu'en faisant une maison moderne, tu peux faire un escalier moderne, donc large,
et des pièces assez vastes et grandes, et éviter de faire trop de petites pièces. C'est pour ça que tu vois dans la Rouen ici, la maison, j'ai fait un espace, tu vois, volume assez grand, quoi. Donc tu rentres, hop, de la cuisine direct, accès ici, avec salon grandement ouvert, tu vois, pour si tu joues à 2-3 joueurs, chacun passe de son côté pour délirer, quoi. Et ceux qui veulent foutre du bois de cheminée, enfin du bois dans la cheminée, quoi, pour stocker du bois, quoi. Et pareil, c'est pour ça que je pense que je vais peut-être faire ça, ouais. Après, de toute façon, on s'en fout, parce que, tu sais, après, selon la motive, moi je peux faire une maison, tu peux faire une maison, voilà, avec un peu d'idées. Moi je peux faire une maison là, toi tu peux prendre la map, je l'envoie, et tu remets une maison plus bas ou un autre endroit qui te plaît, et tu te sers de les pièces qu'il y a dans celle-là pour l'autre, quoi. Mais sauf que tu fais l'autre comme tu veux, quoi. Donc, non, de toute façon, après, bon, déjà, c'est intéressant quand tu fais une maison bien structurée, bien décorée. Après, l'architecture est importante, mais une fois qu'elle est bien maîtrisée, c'est top, quoi. Après, il n'y a plus de problème, quoi. Bon, bah, allez, hop. Petite clope vite fait, rapide, et zou. Ah bon, Jean Farming, il fait des tutos. Oh, Bah, bien tu sûr, connais, hein. tu connais, tu connais, tu connais Jean Farming? Bah, oui, depuis 10 ans, il fait du tuto. Ah Voyons. oh, 10 ans! Bon, Oh facile. mon Dieu! Oh. Ça fait pas 10 ans que je joue au jeu, gros. Aïe, aïe. Non, moi, bah, tu continueras. Tiens, je regarderai tes lives à travers. Moi, j'irai demain quand même parce qu'il faut que je réfléchisse un peu. Mais à voir. Ce que je vais faire, c'est que j'ai déjà commencé dans la logique, c'est-à-dire par le bas, faire l'entourage, le tour, les fenêtres, toute la remplir déjà de volume en bas, et puis après l'architecture, ça tu le fais en deuxième temps. Parce qu'au début, je m'excitais avec l'architecture directe, mais ça sert à rien parce qu'après, t'es emmerdé alors. Le top, c'est même de faire une architecture dans un transform group. Comme ça, tu l'exportes, tu l'enlèves de la map. Et tu peux faire une maison. Ah, tu peux faire ça, hein. Comme tu dis là. Ouais, Fais une maison, tu veux faire une maison par conteneur, bah hop, tu mets des conteneurs dans les transform group. Tu les meubles, enfin tu les habilles quoi, et après tu les réimportes dans la map et tu en étales plusieurs et hop, t'as toutes tes dimensions, tu peux les préfabriquer quoi. Nasco, je sais qu'il avait fait ça, il avait fait une maison sur Giant, enfin dans Giant direct en important ses pièces. Voilà, c'est chaud, hein. bah après, c'est le problème, c'est qu'il faut tout délier tes textures. Ça, c'est Ah bah oui, après c'est. obligé. Ah ouais, mais c'est un boulot enfin, si t'as rien de prêt avant oh, oh Après, c'est quand tu compliqué, hein. fais le 15 du 15 au 17, le 15 j'ai passé des heures à tout délier. Oh. Mais attends, ça me sert plus. Merde. Ah bah oui, après, c'est. Et avant les hangars ils avaient pour aller 20 lignes des fois que je récupérais, c'est toute ma journée à tout délier. Putain, c'est pas possible. Ouais, je pense que je vais peut-être faire ça, ouais, je vais voir. Faire une maison moderne, un peu comme le fond là-bas. Mais bien fourni, je pense qu'il y a moyen de faire un truc pas mal. Et voilà, bon bah la suite demain, prochain épisode, demain soir, si je suis motivé, on verra bien. Alors les gars, demain vous allez à sa porte. Ah bah ben non, il peut plus, il n'a plus de porte maintenant. Et si, elle est motivée, elle est lui envoyer un message demain soir, mais non, ils Ah peuvent bah pas. oui, j'ai plus de porte, ouais. La porte elle La est porte est fermée. condamnée. Elle est condamnée, voilà. Condamna. Condamnation. Là c'est fini. Bon bah voilà, bah écoutez les amis, sur ce, on va pouvoir se quitter. T'as vu Resident Evil, le projet, juste pour couper vite fait le projet merde, Résistance. Ouais, ça a l'air d'être une merde. Regarde, il y a un gameplay qui est sorti. Bon, de toute façon, c'est simple. Resident Evil, à chaque fois qu'ils font un bon jeu, ils ont tendance après à faire un espèce d'autre jeu qui n'est pas par les mêmes développeurs et qui généralement consiste au multi, tu vois, comme ils avaient fait avec l'opération Raccoon City, qui déjà il était foire fouille à moitié là. Enfin, moi j'avais trouvé ça pas mal parce que j'aime bien les monstres qu'il y a dedans,
Mais après, le gameplay, c'est de la merde, quoi. Enfin, concrètement, il est pas terrible. Et bah, tu regardes le Résistance, tu regarderas le gameplay, tu vas voir, c'est pas... À voir. S'il a 30 balles encore, je le prendrai quand même par passion de l'histoire et du jeu, mais... S'il a 60 balles, j'attendrai qu'il baisse. Hein. Je mets pas 60 balles dedans. Et le moteur de jeu, je sais pas si c'est le même, mais regarde le gameplay déjà, tu vas voir, ça va. Moi, je suis sceptique. Après, si t'en as jamais fait, tu t'en fous. Tu peux toujours le prendre, mais bon. Pour un passionné, c'est chaud, quoi. Enfin, hein, juste pour la structure et l'environnement et l'ambiance, quoi. Enfin, voilà. Ça, c'est pour. On sait pas quand. Allez, les amis. Hein? Ça, c'était la petite phrase de fin. Bah oui, non, la petite phrase de fin, c'est retrouver code promotionnel, information, DL, distraction, divertissement, attraction et tout type d'infos complémentaires et de nombreux lots à gagner. Code promotionnel sur la magnifique page Jeux Farming via facebook.com. Donc vous tapez Jeux Farming et vous pourrez voir un max de choses qui vous ébloui vos yeux. Voilà, allez les amis, de gros bisous, bonne soirée, à demain dans le week-end, je pense, j'espère, on verra bien. Ciao, bisous. Allez, ciao, bisous les enfants.